Tac. Tac. Ok, salut tout le monde, bienvenue en direct live de ma super clean avec Luis Alberto Pinto Sanchez. Salut Albert. Ça va? Très bien, et toi-même? Super, mon vieux, ici sanitaire Budapest. Ah bah putain. Alors, on est... 16 degrés, mon vieux. Ah ouais. Alors, salut tout le monde. Alors, j'ai certainement oublié des noms. Hein. Salut Fabrice, salut François, RR Marco, Alex, Tasmania, Azu. Tiens, salut Azu. Un fidèle de la chaîne. Alors, est-ce que pour vous... bon, c'est des questions bateau, mais est-ce que pour vous, le son, ils sont bons? Salut Thomas, est-ce que vous avez le son ou l'image, s'il vous plaît, avant que je continue? Les gars, si vous pouvez répondre, vous avez bien le son. Enfin, sinon, si personne répond, c'est qu'on m'entend pas. Ça grésille un peu, mais tu pourras pas mieux faire dans l'immédiat. Ah, pourtant, j'ai un micro tout neuf, les gars. Pour lui, c'est OK, je pense. Le son n'est pas très bon. Bah, ça, c'est, malheureusement, le son, c'est les aléas des connexions Wi-Fi. Hein. Moi, mon son, il est récupéré par le micro du téléphone. Je ne sais pas ce que ça vaut. Hein. Alors, j'ai mis en direct, moi, sur ma chaîne, il y a un petit décalage. Donc, les gars, on est là ce soir pour... 15 secondes. Ouais, c'est pas très grave. Donc, avec Luis, on est là pour répondre à vos questions muscu, nutrition, enfin, tout ce qui tourne autour de la musculation. Donc, n'hésitez pas, hein, toujours dans le respect et la bonne humeur. On t'entend très bien. Ok, c'est parti les gars. Donc, vous pouvez poser vos questions. Oui, c'est ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder avant. Bah, tout ce qui se rapporte à la muscu, quoi. Ils parlent ce qu'ils ont envie de... Bah, qu'ils posent des questions. S'il y a un truc pertinent, bah, on va développer ce thème. Hein. Ok, apparemment, tu as un meilleur son que moi. Hello from US, Chris. B. Hollywood. Salut, Billy. Alors, qui a été s'entraîner aujourd'hui déjà, les gars? C'est dimanche. Il y en a beaucoup qui restent à la maison. Qui a été à la salle? Bah, moi, j'irai quand vous dormirez. En tout cas, en Europe. Luis, comment travailles-tu ton cardio? Bah, mon cardio, déjà, à l'entraînement, tu sais, quand tu passes une certaine catégorie de poids, c'est toujours cardio. Tu sais, quand tu fais du squat avec des poids légers, en fait, c'est toujours cette répercussion des poids sur toi quand tu as un poids corps et un certain poids que tu utilises. Par exemple, quand tu fais du squat comme moi, je fais à 140, 160 kilos, bah, ce n'est pas le même squat qu'un mec qui le fait à 60. Ça veut dire quoi? Moi, quand je suis à 140, 160 en longue série, quand je dis longue série, c'est quand je passe à 8 reps, bah, j'ai déjà facilement les pulsations à 120, 130 par minute. Quoi. Donc déjà, c'est pas mal cardio, tu vois. Et puis, il faut aussi que les gens comprennent ce que ça veut dire cardio et pas cardio. Nous, quand on dit cardio en bodybuilding, en musculation, ça veut dire brûler des calories, donc brûler de la graisse. Et il y a des techniques pour ça. Et quand je vois des gens qui courent en salle sur les tapis pour perdre de la graisse, ils ne comprennent pas que quand tu cours, la seule chose que tu développes, ben, c'est le cardio primaire, c'est-à-dire
suivant la fréquence de ta course et le temps, soit tu développes en volume ton cœur, soit ton épaisseur, soit les deux, tu vois. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas du brûlage des calories. Pour brûler les calories, il faut rester à basse fréquence. C'est pour ça, par exemple, tu vois des bodybuilders qui sont en régime pour les compétitions. Bon, hormis le fait qu'ils ont les produits qui les font sécher aussi. Mais je veux dire, tu ne verras jamais un bodybuilder faire une course ou même trottiner sur un tapis roulant. Tout ce qu'ils font, ben, c'est marcher, marcher pour qu'il y ait une certaine fréquence cardiaque et ça stimule le système de métabolisme, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps pratiquement en mode, ben, voilà, j'utilise mes réserves et je ne fais pas de stock, tu vois. Ça, c'est un truc que les gens confondent. Ben, d'ailleurs, ma copine en est un bon exemple. Hein. Elle a commencé la compétition de course. Là, elle est déjà à des demi-marathons. Et elle s'entraîne pratiquement tous les jours. Donc, tous les jours, elle a un minimum de 15 km. Elle va partir pour 15 km. Mais pourtant, elle n'est pas spécialement comme ça, tu vois. Parce que justement, elle est en train de travailler le cardio, c'est-à-dire bah, le muscle qui l'aide à faire de l'endurance, tu vois. D'accord. Bah, j'en profite pour saluer tous ceux qui me saluent. Love the Batman costume. Ok, hello les complices. Salut. Bah, tiens, Didier, là, tu vois. Salut Don Stefano, Alexandre, Jean Mollet, très bien, moi je les ai fait hier. Alors, je risque de rater des questions, ça va assez vite, hein, donc n'hésitez pas à les reposer si je n'y réponds pas. Est-ce que vous consommez uniquement des fruits en source d'hydrates? Attends, est-ce que vous consommez uniquement des hydrates? C'est peut-être intéressant. Alors, moi, perso, ouais, bah, je pense, ouais, enfin... moi pas que personne de céréales c'est les fruits toi Louis je sais pas tu... toujours du sucre rapide hein. Fructose express, bah ouais des choses comme ça c'est toujours du rapide ça. Alors pour prendre de la masse en cherchant l'hypertrophie il vaut mieux deux fois par semaine ou alors une fois mais lui mettre le paquet Alors, ça, c'est un truc que j'exprime en fait, comme j'avais dit sur ma chaîne plusieurs fois, la musculation, c'est comme l'école, tu vois, quand un gamin, il faut l'éduquer, quel que soit le métier qu'il veut faire plus tard, ben, il commence par l'école primaire, puis il va au lycée, puis il va à l'école supérieure, éventuellement à l'université, et l'entraînement au niveau des programmes, c'est exactement la même chose. D'abord, ce que les gens doivent apprendre à faire, c'est des programmes qui sont de leur niveau, parce que pour le moment, les gens, ils arrivent en salle, et ils veulent les résultats avant-hier, tu vois. C'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas arriver en salle alors que tu as déjà fait de musculation de ta vie et taper un programme de gars qui a un programme avancé, par exemple, un split, des choses comme ça. Alors, pour faire dans les grandes lignes rapidement, ça se passe comme ça, en fait. Après, évidemment, selon le but que tu as, il y a plusieurs variations, plusieurs paramètres. Mais disons, grosso modo, en bodybuilding, dans le gars qui veut faire du bodybuilding, qui veut prendre la masse musculaire, quand tu arrives pour la première fois pour faire des entraînements et commencer ce sport, on commence toujours par un full body. Et le full body, ça sera toujours un exercice par groupe musculaire, 3 séries de 10, tu vois. Et tu fais ça pendant 3-4 mois. Puis on passe à un deuxième programme, toujours initiation. Parce que le premier programme s'appelle le programme initiation. On n'est pas là pour prendre de la masse, on est là pour apprendre des mouvements, pour apprendre à manipuler des poids dans l'espace et donc les exécutions, tu vois. La synchro, le commentaire et tout ça. Tu sais, quand tu donnes un débutant deux haltères et tu dois faire du développé couché, à coup sûr, il ne va pas les montrer avec symétrie. Tu vois, tout ça, ça s'apprend pendant cette période-là. Donc, une fois que tu as fait le premier programme d'initiation à la musculation, un groupe musculaire, en général, trois séries de 10-12 par groupe musculaire. Les groupes musculaires, c'est toujours les classiques, hein. Pectos, dos, épaules, dos. Généralement, on met deux exercices pour les dorsaux parce que le faisceau horizontal et vertical. Et puis les jambes et l'arrière des jambes, d'accord. Et en fait, il y a un deuxième programme qui arrive juste après. Là, il n'y a pas une grande différence, sauf qu'on va rajouter un deuxième exercice par groupe musculaire. Alors, il y a des gens, comme j'ai vu ça sur jeux vidéo, qui disent « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais c'est beaucoup trop. » Il faut comprendre qu'un débutant, il ne soulève pas des kilos comme nous. Il ne fait pas des développés couchés avec des poids qui représentent peut-être une fois et demie son poids corps. Quand on est au stade débutant, on utilise des petits poids parce que justement, on est débutant, ça n'a pas une trop grosse consommation d'énergie. Donc oui, un débutant, puisque je l'ai fait moi-même, et les gens qui viennent avec moi à la salle, en deuxième programme d'initiation, c'est dans les 6 mois, donc ouais, dans cette période, tu peux très bien faire un programme full body avec justement des exercices par groupe musculaire. Tu ne verras jamais un débutant dans cette période-là faire des élévations latérales pour les épaules à 15 kg. Il sera encore dans les 4-5 kg. Donc,
ben, c'est pas au niveau énergie, il n'en consomme pas tellement, tu vois. Et une fois que tu as terminé ces deux programmes de débutants, qui sont à peu près, on va dire, entre 4 et 6 mois, suivant la personne, on fait le premier split. Et le premier split, c'est un half body, tu vois. Et l'half body, généralement, ben, on fait un jour sur deux, un jour sur deux. Donc, on fait le programme 1, 2, 1, 2, 1, 2, et puis on prend repos. Bon, il y a des gens qui veulent le faire une fois par semaine, c'est-à-dire le jour 1 une fois par semaine, le jour 2 une fois par semaine. Moi, je veux bien, mais ils ne vont pas avancer avec ça. Alors, toujours avec ce programme half body, à un moment donné, quand tu termines cette progression de half body, tu passes aux 3 jours. Donc, tu fais tout ton corps sur 3 jours. Donc, ça veut dire quoi? Que tu fais moins de groupes musculaires, mais tu augmentes déjà les séries et les exercices, le nombre d'exercices. Une fois que tu as passé la période des 3 jours, tu passes sur les 4 jours. Et puis pour terminer, donc c'est le programme entre guillemets ultime de la progression pour le bodybuilder, ben c'est un seul groupe musculaire par jour. Et le problème, c'est qu'on vous a mis des choses dans la tête au niveau du Figen français. Et donc, pour faire un raccourci, les gens s'imaginent que, mais attends, si je fais mes pectoraux lundi par exemple, pendant 8 jours, je ne fais pas de pectoraux, mais je vais perdre. Bon, déjà, il faut savoir que quand vous êtes dans un programme de 1 muscle par jour, eh, vous n'êtes pas sur 2 exercices à 3 fois 10. Hein. Vous êtes généralement sur 4 exercices, peut-être même 5, 4 séries. Donc, on parle déjà de 20 à 24 séries sur un entraînement. Et croyez-moi, pour les pectoraux, quand vous avez bien travaillé votre groupe musculaire, quel que soit votre groupe musculaire, eh, ce n'est pas 24 heures de récup, hein, c'est 48 heures à 3 jours. Donc, vous ne perdez jamais sur une période de 8 ans, de 8 jours. Ce n'est pas possible de commencer à perdre sa masse musculaire parce qu'il y a 8 jours d'écart. Ça n'existe pas. Il faut beaucoup plus de temps que ça avant que vous commenciez à perdre la masse musculaire du fait que vous ne vous entraînez pas. Il y a encore une chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les interactions musculaires. Par exemple, toujours en restant sur cet esprit de se dire que si on fait le biceps le mardi et qu'on le refait seulement 8 jours après qu'on va perdre, faut pas oublier que dans la semaine, vous allez faire les dorsaux. Et pendant les dorsaux, quel que soit le mouvement, il y aura des tractions. Le biceps a toujours travaillé. Quand vous faites des pectoraux, il y a les triceps, c'est les épaules qui travaillent. Quand vous faites des épaules, il y a les trapèzes, une partie des dorsaux, des fois qui travaillent en tout cas, les dorsaux supérieurs. Donc en fait, il y a toujours des interactions musculaires. On ne peut pas dire qu'un muscle est tout à fait au repos pendant 8 jours parce que justement, tu le fais qu'une seule fois par semaine, tu vois. De toute façon, il faut que les gens se mettent une fois tout dans la tête. Arrêtez de croire que parce que pendant 8 jours, tu n'as pas fait un muscle, tu as commencé à perdre. Ça n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, Tu non, bien vois? sûr. Après, il y a des groupes qui, par exemple, les mollets, on peut les fourmoi pour plusieurs fois. Un groupe qui récupère facilement, tu peux le retravailler si tu l'as fait Ben, bien le problème des difficilement. mollets, c'est que. Si t'as... Ouais, vas-y. Le problème des mollets, c'est que tu as le tendon d'Achille qui absorbe la plus grosse partie d'énergie. Donc, en fait, finalement, il ne travaille pas trop, tu vois. Alors, les mollets, tu peux les taper. Moi, je les tape tous les jours depuis maintenant, tout doucement, 5 ans. Et la différence, là, elle est flagrante. Hein. Je le sens dans mes bottes de moto. Je le vois sur les photos et tout ça. Donc, mais c'est vrai que tu peux travailler plusieurs fois par semaine ton muscle. Mais c'est à toi de trouver la bonne dose, quoi. J'expliquais ça sur mon live de hier. Tu sais, hier, j'ai vu un gars à la salle. Et il était sur un PPL. En fait, je vais t'expliquer l'histoire. J'étais à la salle hier pour m'entraîner. Et quand je suis arrivé pour m'échauffer pour le développé militaire debout à la barre, le gars en faisait déjà. Donc, ça veut dire qu'il était déjà arrivé avant moi et qu'il s'entraînait déjà, tu vois. Et donc, je dois faire quelques mouvements, quelques séries, dont des séries forcées où il se met un petit peu en squat et hop, il repousse la barre, tu vois. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun travail parce qu'à partir du moment où tu envoies la barre en l'air avec une espèce de force de synergie, il n'y a plus de travail du muscle, tu vois. Donc, j'explique ça et tout. Et puis, je croyais en fait que le gars faisait du power training, c'est-à-dire de la musculation spécifique à un sport. Il me dit non, je suis sur un PPL, tu vois. Et je me rendais compte au fur et à mesure que je m'entraînais, que je le regardais. Il a tapé un PPL à plusieurs exercices par groupe musculaire. Et tu sais qu'un PPL, c'est trois groupes musculaires, quoi. Et le mec, il était sur à peu près quatre. J'en suis sûr qu'il était à quatre exercices par groupe musculaire. Donc, sur trois muscles musculaires, ça te fait quand même 36 séries en fin de séance, puisque tu as 12 séries par exercice. Bon, pardon, tu as 12 séries par groupe musculaire, fois 3, ça fait 36. Et en fait, l'histoire, c'est que j'ai terminé de m'entraîner avant lui, que lui était encore en train de s'entraîner, et je le voyais qu'il était déjà rincé de chez rincé. Et on voit sur son physique que justement, tu ne peux pas avancer comme ça. Il y a beaucoup trop et pas assez de récupération. Tu le voyais dans son physique, il est un petit peu musculaire, on va dire athlétique, mais la masse, elle n'est pas là. Et franchement, moi, je l'ai vu en fin d'entraînement, moi, j'avais terminé avant lui.
J'ai dit, putain, t'es encore à l'entraînement, il était rincé. Le gars, il a dû faire dans l'air facilement 2h15, 2h30, puisque moi, j'ai fait, j'étais à mon aise hier. Hein, donc, j'ai pris des bonnes 3 minutes de repas parce que j'ai pris des gros poids. Donc, j'ai fait une heure 20, j'ai fait hier avec les mollets. Et lui, il était toujours en salle. Donc, lui, il a dû faire facilement les 2h, 2h20. Et voilà. Ok. Donc, quoi que vous pouvez faire dans vos bon, musculaires bah, plusieurs écoute. fois par semaine, mais il faut doser l'entraînement alors, quoi, tu vois. Bah, c'est ça, si tu le fais deux fois, faut pas taper dedans jusqu'à l'échec à chaque série, quoi. Alors, monte un petit peu parce qu'il y a plusieurs questions qui sont passées. Il y a Ouais. Oui, bien sûr. De toute façon, plus tu vas arriver, avancer en expérience et en âge, et plus il faut intensifier le travail, quoi. De toute façon, le gars qui va faire sérieusement. Comment? Le gars qui va s'entraîner sérieusement, c'est-à-dire qui va être consistant dans son travail, qui va le faire, il va progresser. Et il va progresser en poids aussi. J'ai toujours dit, hein, en musculation, donc en bodybuilding, quand je dis bodybuilding, ça ne veut pas spécialement dire devenir énorme, c'est-à-dire la technique qui permet de prendre de la masse. Donc en bodybuilding, la force est une conséquence de l'entraînement, elle est secondaire, mais elle est là, et tu prends de la force. Mais il y a un moment donné, si tu restes sur un programme basé sur un PPL, il y a un moment donné, tu vas prendre tellement gros poids que ça prend beaucoup d'énergie. Ça ne sera plus possible de faire, par exemple, 3 exercices par groupe musculaire. Donc, ça nous fait 12 séries par groupe musculaire si on fait des séries de 4. Et ça fait 36 séries à la fin de l'entraînement. Ça ne va pas être possible, quoi. Ça ne va pas être possible. Si tu pèses 70 kilos, tu fais déjà du développé couché à 80, que tu prends déjà des haltères de 36-40 kilos, tu ne vas pas arriver sur les épaules frais. Quand tu auras fait tes 3 exercices sur le dos, tu auras dépensé au moins 40% de ton énergie. Donc, tu vas déjà commencer les épaules complètement rincées. Et je ne te raconte pas en troisième partie pour le dernier groupe musculaire du PPL. Là, tu es lessivé de chez les sites rincés, quoi. Si tu t'entraînes bien et que tu as bien adapté les poids au nombre de reps, tu es rincé en fin d'entraînement. Alors, je remonte un petit peu. Fabrice Mercier, merci beaucoup. Azu. Alors, Azu demande quand on. Attends, tu me parlais de. Attends un instant, hein, je resuite. Parce que je suis obligé de remonter vos questions, parce que ça défile, et entendre pas tout le monde. Astuce pour éviter les remontées acides quand on veut manger beaucoup. Alors, moi, non, j'ai pas d'astuce là-dessus. Ça ben, fait que tu vois que t'as un. C'est que. Attends, Chris, parce que moi, j'ai ce problème. Quand tu as remonté acide, déjà, tu vas voir un médecin pour voir ce qui se passe. Parce que si tu as du reflux, il va falloir voir d'où ça vient, s'il y a une pathologie derrière ou s'il y a autre chose. En tout cas, moi, pour éviter mes acides pour le moment, je prends un. Parce qu'en fait, ça m'arrive quand je bois des fois un petit peu de lait ou un truc comme ça m'arrive des fois. Et c'est vrai que pendant la nuit, ces derniers temps, je faisais une espèce de renvoi qui faisait monter un acide. Mais alors, un acide grave chez grave, ça me faisait tousser tellement c'était fort. Et là, il y a Adèle qui m'a amené un médicament qui s'appelle Noacide, que j'en prends tous les soirs. Et c'est terminé, j'ai plus ce problème-là. Mais quand tu as des problèmes d'acide, je ne crois pas que ça a à voir avec directement avec l'alimentation. C'est qu'à la base, il y a quelque chose qui se trame là-dessous. Donc, c'est mieux d'aller voir ce que c'est, quoi. Hein. Ouais. On demande à partir de combien d'années d'entraînement vous avez été content de vos physiques. Moi, je dirais 10. Enfin, c'est relatif. Disons, quand tu commences à ressembler à un bodybuilder ou ressembler à quelqu'un qui est physiquement hors proportion par rapport à la personne lambda, ouais, c'est 10 ans. Hein. C'est la moyenne, c'est 10 ans. Alex, pour les protéines, peut-on manger de la viande rouge? Je crois que c'est fortement déconseillé. N'hésite pas à taper dans les œufs. Ça coûte pas cher. Et c'est la protéine de référence, hein. Des œufs, poisson, poulet. Enfin, moi, je tourne à ça hein, régulièrement. Et viande rouge, j'en prends, allez, toutes les 2-3 semaines. Écoute, moi, je l'ai fait il y a quelques années avec Victor, ici à Budapest. On allait au marché, ici à côté de chez moi, et on achetait de la cuisse de bœuf. Donc, c'est très sec comme viande, il n'y a pas de gras dedans, hein. C'est un peu dur à manger. Et on la demandait à la moulinette, 2 fois la moulinette. Et on se faisait 4 à 5 gros steaks hachés par jour. Et tous les deux, on mangeait exactement 1 kg de viande rouge par jour, tu vois. Et c'est pas une période où j'étais assez costaud, je dois dire la vérité, j'étais quand même costaud, tu vois. Très costaud. Ouais. Maintenant, c'est vrai que la viande rouge tous les jours, déjà, le processus de digestion, c'est pratiquement 48 heures. Donc, tu as le système qui fonctionne en continu, tu as les reins qui filtrent en continu.
À un moment, ça t'aide à une petite fatigue. Mais c'est vrai que moi, je l'ai fait, quoi. Mais c'est vrai que la viande rouge, c'est quand même une bonne source de protéines, quand même, quoi. Maintenant, Ah quand oui, on bouffe tous les jours, il c'est faut pas en la peine. prendre, mais Nous, on n'a tous pas les jours, je crois que ça. c'est pas recommandé, quoi. Nous, on Est-ce a que fait tu comme ça recommandes de pour notre régime changer? expérimental, quoi, tu vois. Ouais. Pierre-Olivier demande, est-ce que tu recommandes de changer ses entraînements? Si oui, à quelle fréquence? Alors moi, je te dirais non, tant que ça marche, ne change rien. Après, Louis, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Même chose. Bon, moi, j'échange souvent parce que j'ai beaucoup d'années et que très vite, ça devient routinier. Mais sinon, c'est vrai, hein, que sur un programme, tu le travailles et tu continues à l'exploiter tant que tu pousses. Hein. Ce n'est pas le fait de changer toutes les semaines ou tous les mois qui fait que tu vas chaque fois prendre une espèce de boost de progression. Ce n'est pas vrai. Un programme, tu le sens bien, que tu t'ennuies pas, que tu aimes bien le faire, tu t'ennuies pas, tu restes dessus, tu l'exploites un max. Quoi. Il n'y a pas longtemps, il y a un média qui m'a acheté un programme. Hein. Tu sais, je vends des programmes sous forme de vidéo. Il me dit, voilà, j'ai fait 3 mois, peut-être que je vais en prendre un autre. Et je lui ai dit, t'aimes bien le programme que tu fais? Ouais, c'est pas mal, tu progresses. Ben ouais, je progresse. Mais j'ai dit, pourquoi tu veux un nouveau programme? Continue à exploiter ton programme. Et à un moment donné, tu sens que vraiment là, tu en as marre mentalement, tu n'as même plus envie, tellement ça devient ennuyeux de faire la même chose, éventuellement. Mais tant que ça marche, pourquoi tu veux changer? Tu vois, c'est comme ta Bah bagnole, ça, et quand puis tout marche bien, pourquoi tu veux la changer? y a un temps d'adaptation en plus, donc c'est con de redemander à ton corps de se réadapter à des nouveaux exercices pour progresser sur les anciens, quoi. Ça c'est intéressant ce que tu viens de dire, Chris. Il y a un temps d'adaptation. Il y a des gens, quand je leur montre une nouvelle technique ou un truc, ils me disent, oh, j'essaye ça demain. Ben non, tu n'essayes pas ça demain. Tu essayes ça à partir de demain pendant 6 mois et puis tu me diras, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut cette période. Tu ne peux pas juger un programme sur une semaine, sur un mois. Tu peux juger le programme que sur 5, 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu pourras dire s'il a marché, mais pas sur 3 semaines, quoi. Skywalker, Louis, c'est une meilleure connexion en gris que Chris en France. Là, je suis désolé. J'y peux rien. Don Stefano demande, Louis, tu vas faire du fitness jusqu'à quel âge? Pas enfin, de la muscu, quoi, je pense, plutôt que fitness. Ben moi, je n'ai pas d'âge limite, quoi. J'ai 55 ans et je ne me suis jamais aussi bien entraîné de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a l'expérience derrière, tu Bah. vois. Tu as l'endurance, Ouais, tu as la ouais. connaissance, tu connais mieux ce qui marche mieux pour toi et tout. Mais je veux dire, il n'y a pas d'âge. Il y a des bodybuilders en Espagne de 70 ans. Hein. Ça permet de vieillir, mais dans les Louis, bonnes conditions. ouais. Quelle est ton poids actuel, on te demande, Luce. Louis, pardon. Là, ce matin, à jeun, j'étais à 117 kilos. Et je fais 1,80 m. Putain. D'accord. Tiens, en parlant d'âge, moi j'ai 51 ans la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Si vous voulez faire une quête, les gars, fêtez. C'est la semaine prochaine? Moi, c'est le 12. 3 novembre. Ah bah, tu vois, deux scorpions. Alors, Marco demande, je ne compte jamais le nombre de reps, je privilégie le temps sous tension, j'essaie d'être dans 40 secondes, est-ce une erreur? Maintenant, si tu compares avec tant d'autres, ça marche aussi. C'est C'est pas ça, mieux, hein, ça marche c'est ce que aussi. j'allais dire. Mais tu Après, sais, si tu l'as s'il arrive à aussi eu, avoir hein, un cycle Chris, de quand on était progression, débutant. avec ça. Mais tu l'as aussi eu, hein, Chris, quand on est débutant, on est toujours à la recherche de cette fameuse formule magique. On irait même jusqu'à C'est croire que les ça. bodybuilders ont un secret qu'ils ne veulent pas partager. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Ouais, nouveau c'est comme la ça. VPN, hein, les temps de contraction, c'est de nouveau une technique, quoi. C'est juste ça. Ce n'est pas la panacée universelle. C'est une technique parmi tant d'autres, tant que tu le sens. La C'est première ça. fois que tu fais du superset, la toute première fois que tu essayes un superset, tu as une congestion, mon vieux, tu as l'impression que tu viens de trouver le secret ultime de la musculation. Bah, 2 semaines après, c'est terminé. Hein. Le superset, C'est ça. tu l'as démystifié, terminé, tu vois ce que je veux dire. Donc, les temps sous tension, c'est Ouais. nickel aussi, c'est pas une erreur, mais c'est de nouveau une technique. Ça m'a marché un petit temps, mais après, bah, tu dois passer à autre chose. Une différence de physique entre 5 ans et 10 ans, il y a très peu de différence, surtout naturelle. Je ne dis pas qu'on progresse plus après 5 ans, je dis qu'on peut progresser, sont très peu visibles. Oh, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça dépend des gens, hein. Ça dépend d'un tas de paramètres, de ton rythme de sommeil, de ta nutrition, de ton intensité à l'entraînement. On est tous différents. Il y en a chez qui, au bout de 5 ans, ça ne peut rien faire et d'autres, ça a continué. Ben sinon, En on termes de progresse pas de la lipides, même façon, quoi. On ne progresse bah pas c'est ça. spécialement en masse musculaire partout. Ce qu'il y a, c'est que la silhouette, elle se modifie de toute façon. C'est ce que moi, j'ai vu. Hein. Moi, j'ai jamais eu de bonnes épaules. Et ces dernières années, elles arrivent, tu vois. Bah comme quoi, tu vois. Bah c'est pareil, mes pecs ils sont arrivés à 50 ans, tu vois. Après, Et je faisais peut-être pas ce qu'il fallait non plus. tu vois de nouveau un bon exemple.
pour ces gens qui sont toujours à la chasse de la performance, de monter les charges en développé couché, de combien tu prends en développé couché. Moi, je suis très fort en épaule, plus fort que beaucoup de bodybuilders qui sont comme ça. Tu as bien vu, moi, je fais du développé militaire à la barre libre debout, à l'ancienne, à 100 kilos, c'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, les épaules, elles n'arrivent pas. L'autre jour, j'ai fait une démonstration en live d'un entraînement épaule où je n'ai fait que des élévations latérales pour montrer. Et je suis monté, je crois, jusqu'à 32 kilos, 30 kilos en correct, hein, en forme correcte, pas en balançant. Vraiment monté avec des épaules. Et pourtant, les épaules ne sont pas là, comme quoi la force ne rime pas avec, avec masse musculaire. Bah non, il y a la génétique aussi qui entre en jeu. Hein. Ben ça aussi, hein. Il y a des gars qui peuvent faire de la gym tant qu'ils veulent. Ben, malheureusement pour eux, ça sera jamais ça, quoi. C'est ça. Dans le cadre d'un split, alors, Fiche qui demande combien préconisez-vous de séries pour l'entraînement d'un muscle? Combien de séries? Bah, ça dépend de ta forme. Ben, moi, pour les gros muscles, j'hésite pas à faire 5 à 6 séries. C'est un split à combien de groupes musculaires? Ouais, je sais pas. Combien préconisez-vous de séries pour l'entraînement d'un muscle? Bah, moi, je fais 4 exercices et je fais 5 séries en moyenne par exo. Mais c'est moi. Moi, pour le moment, à un seul groupe musculaire par jour, je suis à 3 exos, mais je tire un petit peu plus dans le premier. Le premier exo, c'est toujours un truc de base, et je tire un petit peu plus dans les séries et les techniques dedans, et après, je reste sur du 4 séries. Donc, je suis toujours à 15, 16 séries avec 3 exos seulement. Oui, puis ça dépend de la forme du jour aussi. Hein. Et des fois, je vais être moins en forme, je vais moins en faire. Hein. Astuce quand on a une tendinite à l'épaule, l'aura-t-on à vie du coup, vous savez, entraînement, vous s'adapter. Alors moi, ce qui marche très bien pour les tendinites, moi, c'est le collagène et l'acide hyaluronique, je sais plus comment le nom exact, hyaluronique. Depuis que j'en prends, j'ai plus de tendinite, je croise les doigts, ça fait un an que j'en prends. Et bah, sinon, bah, c'est tant que t'as mal, faut pas faire le mouvement, quoi. Faut voir si c'est une tendinite aussi qu'il a. Si c'est une tendinite, on parle d'inflammation, d'inflammatoire. Donc, c'est déjà bon de mettre du froid dessus. Tu sais, les pochettes en gel froid. Mais encore une fois, l'épaule, ça peut être tellement de choses que dire que tu as une tendinite à l'épaule parce que tu as une grosse lourde d'épaule, il faut voir ce que c'est exactement et d'où ça vient parce que c'est assez complexe une épaule. Hein. Ouais. Thomas, je commence à faire mes propres programmes avec variation. Oui, bah, de toute façon, tant que ça fonctionne, fais ce qui marche. Hein, quand ça marchera plus, bah, tu changeras, quoi. Compter ses calories, peser ses aliments, obligatoire pour progresser. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je fais en sorte d'avoir au moins 30 grammes de protéines par repas, mais de là à peser, non, après, ça devient... Les je ne fais pas de compétition, je vais m'amuser à peser. Hein. Les bodybuilders, ils pèsent parce que quand ils sont en compétition, tu dois c'est ça pour la compète, ouais. Et eux, ils sont obligés. Ils sont obligés de pouvoir savoir, avoir une référence où ils en sont dans leur biais. Mais comme nous, en amateur... Je vois pas l'intérêt, quoi. Non, moi je mange bien, je fais en sorte d'avoir assez de protéines, assez de glucides et puis beaucoup de fruits et de fruits secs et ça marche, quoi. Non, je m'amuse pas à compter, sinon on s'en sort plus, quoi. Je fais pas de compétition, j'en ferai jamais de toute façon. Pour les bras, faut-il mieux des séries longues ou courtes? Bah, ça dépend de ta morphologie. Moi, les séries moyennes marchent bien, c'est-à-dire 8 à 12. Et je fais des séries de congestion à 15-20 pour le tout dernier exercice. Moi, ça marche comme ça. Bah ouais, toi, Louis, je ne sais pas ce que tu en penses. En curl, je suis pratiquement toujours à 15-20. Moi. En curl. Ouais. Billy, salut à tous. Salut, Billy. Merci. Glucosamine, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Peptide et collagène. Oméga 3, ouais, j'en prends aussi beaucoup d'oméga 3. Alors... Un exercice, puis à 8 séries, jambes 10 séries pour le premier exercice. 10 séries pour le premier, ouais. Remarque, les cuisses, c'est un gros groupe, hein, tu peux taper dedans. Après, ça dépend combien d'exos tu fais en tout dans ta séance, quoi. 10 séries pour les jambes. Bah, c'est Didier qui met ça. Ouais, j'allais te le premier dire, exercice, tu as 8 séries. J'allais te le dire, ça c'est Didier. Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé de temps en temps, quand vraiment j'ai la pêche, je me tape des 7-8 séries, je le sens bien, j'en profite d'avoir la forme, quoi. Je fais pas à chaque fois, sinon au bout d'un moment, tu es en surentraînement. Enfin, arrive un moment où le système nerveux, il dit stop, quoi. Alors voilà. Alors si j'ai loupé des questions. Ah, si je loupe des questions, on m'envoyait pas les gars, c'est que ça défile assez vite et faut que je remonte. Ah oui, t'es dans le noir.
Ah, bravo. En chef, le. Non, parce qu'il y a ma copine qui sèche ses cheveux avant d'aller au travail. Elle a fait sauter les fusibles. Ah, faut pas faire ça dans un bain. Azu, tu demandes tout en haut. C'est pas acide des tomates. Non, c'est acide, un acide qui va te ruiner l'estomac. C'est comme le citron. Le citron, c'est acide, mais dans le corps, c'est pas néfaste. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Ah non, putain, il y en a plein d'autres là, merde. À partir de quel âge j'ai vu constater une baisse de forme? Est-ce que le cap de 40 ans existe vraiment? Alors, moi non. Bah, j'ai toujours fait du sport, hein. J'ai fait des arts martiaux de 16 ans à 30 ans, après la muscu non-stop. Donc, j'ai pas eu de baisse. Il m'arrive d'avoir des périodes où je suis un peu moins en forme, comme tout le monde, hein, mais j'ai pas de baisse longue. Ouais, disons qu'à J'ai partir d'un pas de période certain longue de âge, baisse de quand tu vas à la forme. salle et que tu as acquis une certaine masse musculaire, bon, tes entraînements, tu es plus en train de te battre pour garder ce que tu as acquis que continuer à progresser, tu vois. Ouais. Plus tard, je dois bouger. Oui, elle sera sur YouTube. Normalement, quand on arrête l'enregistrement, elle se met d'office sur YouTube. Gérard, d'ici, tranquille, ouais. Ceci est un message. Faut-il les privilégier autour des trainings, les aliments, pardon, à indice glycémique élevé? Les IG élevés, vaut mieux les prendre genre pendant et juste après, à mon avis. Ça évite qu'ils se stockent inutilement. Faites-vous du gras facilement? Alors moi non, parce que je suis ectomorphe, puissance 10 000, donc je fais pas de gras. J'ai la chance de pas faire de gras. Toi, Louis, je Ah, sais moi pas ce qu'il en est si. de ton côté. Moi si. Voilà. Moi, je te mange un sandwich Voilà. chaque Donc, matin 7 fois. voilà. Encore une preuve que les métabolismes, bah toi et moi, on est totalement différents. Hein. On n'aura jamais le même physique avec un entraînement. Similaire, les résultats seront pas les mêmes. Alors, Déjà, je pousserai pas tes charges, c'est sûr. déjà devant les haltères et les barres, on n'est pas tous égaux. Déjà, il faut le savoir. Non. Bah ouais. Par quoi fait le squat à la maison? Alors moi, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'avais accroché un poids à une ceinture avec une chaîne et je faisais des squats avec le poids accroché à ma ceinture. Ça marche très bien. Alors avec un sac à dos lesté ou si tu peux, si t'as un banc, tu montes ou des marches, tu montes des escaliers avec un sac à dos, je l'ai fait pendant le confinement quand je m'entraînais à la maison. Ça marche bien, ça. Ouais. Mais il faudra Surplus essayer de calorique faire obligatoire parce pour que progresser. faire des marches d'escalier lestées, c'est un cardio de chez cardio. Ouais. Alors, en surplus calorique obligatoire pour progresser, faut-il tirer un trait sur les abdos pour prendre du muscle? Alors, surplus calorique pour progresser, je dirais oui, moi en ce qui me concerne, comme je suis ectomorphe, il faut que je sois en surplus calorique. Tirer un trait sur les abdos, ben, vu que je m'entraîne de façon assez intensive et que je fais un peu de cardio, non. Après, ça dépend si tu as si gras facilement. Vraiment, c'est une question qui dépend vraiment de chacun, parce qu'on a tous un métabolisme différent. Moi, il est rapide. Louis, il est beaucoup plus lent que le mien. Mais si tu veux Tu prendre de la sais masse et que prendre du poids, tu es obligé c'est d'être en marrant que surplus, hein, de toute façon. les gens ils croient encore que quand on fait des abdos, la perte de graisse elle est localisée alors que c'est pas vrai quoi. Quand tu travailles tes abdos, tu travailles tes abdos, le muscle, mais la perte de graisse elle n'est pas du tout localisée. Utilisez-vous des fat grip biceps pour les biceps? Alors moi non, toi je sais pas. Moi non plus. J'en ai essayé une fois, je trouve ça bidon de chez bidon. Ouais. Quelles sont les erreurs que vous avez faites plus jeune? Alors moi, la première erreur, c'est que je prenais le temps de repos beaucoup trop court. J'en ai parlé avec Rudy Koya dans un podcast. Je C'est prenais une exactement minute comme moi. trente et C'est exactement mes comme reps moi. baissaient série après série. Ouais. Moi, à l'époque, j'avais une copine à Eindhoven en Hollande et j'allais m'entraîner là-bas parce que je passais le week-end là-bas. Et la salle où j'allais, c'est un ancien champion du monde, je ne le savais pas, parce qu'il ne s'entraînait plus, donc il était costaud, mais il n'avait pas l'air d'un bodybuilder, enfin soit. Donc j'ai su que c'est un champion du monde. Et un jour, il est venu me dire comme ça, tu sais, tu t'entraînes vraiment pas mal, le problème c'est que tu vas trop vite, je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Tu vas beaucoup trop vite, tu ne prends pas assez de temps de repos et tout ça. Et je ne comprenais pas, toi, ce qu'il voulait dire, tu vois. En fait, c'est la vérité, quand en bodybuilding, tu vas prendre ton temps. Quand tu commences à prendre certains poids, de nouveau, hein, c'est ce.
ce ratio poids corporel et poids que tu déplaces, il faut être 2 à 3 minutes, quoi. Il n'y a rien à faire. Il faut être 2 à 3 Exactement. minutes. Ouais. Et la deuxième erreur que je commettais, c'est que je changeais très souvent de programme, mais genre presque toutes les semaines. Donc, vu que j'avais pas de temps d'adaptation, je progressais pas, quoi. C'est vraiment deux erreurs que j'ai fait, mais pendant longtemps, hein, pendant 5 ou 6 ans, quoi, avant de Ah ouais, m'entraîner avec tu Gérard Vivès. n'as même pas le temps d'exploiter le programme et ce qu'il peut t'apporter. Non, Ouais. non, c'est ça, ouais. Alors, attendez, je recherche vos questions parce que du coup, faut que je remonte. Le power bodybuilding inventé par Mike O'Dern. Je peux pas répondre à cette question, Stéphane, parce que je m'y suis pas intéressé, donc je dirais des conneries en parlant. Je sais pas si tu connais ça, toi, Louis, le power body. Qu'est-ce qu'ils appellent le power body? C'est assez générique comme terme, tu vois ce que je veux dire? Bah écoute Stéphane, si tu peux préciser dans une prochaine question. Quelle collation pour un gros apport calorique? Alors moi, je mélange de la whey avec de la poudre d'avoine. Je mange des amandes et des noix de cajou. Et là, je peux dire ton apport calorique et une banane. Moi, ça me va parce que voilà, moi, je suis pas un super gros mangeur, mais en tout cas, ça me fait prendre du poids. Louis, je pense que toi, Ouais, moi, c'est c'est à 10 peu fois près la même plus. chose avec mes protéines. De Ouais. l'avoine, banane et protéines. Moi, les protéines, je les achète à la pharmacie. Protifar. Ouais. Ils vont te sponsoriser un de ces jours, toi, avec ça. Ils le feront pas. C'est une usine pharmaceutique. Ouais. Je squatte avec des haltères. Oui, bah c'est bien aussi avec des haltères. Louis, alors c'est Pige qui demande, je sais que tu prends très peu de jours de repos. Est-ce que tu choisis les muscles que tu veux travailler le jour même? Ah non, je ne choisis pas le muscle. C'est un cycle. Non, non. C'est ça. C'est pecto, C'est un programme. dos, épaules, jambes, bras. Pecto, dos, épaules, jambes, bras. Tout le temps comme ça. Avez-vous déjà testé le split squat? Moi non. Moi, je vois même pas ce que c'est. Fat grip, il suffit de le faire avec des kettlebells. La prise est plus large. Et au moins, c'est pas un gadget. Ah oui, d'accord. Ouais, non, j'ai jamais fait ça. Moi, je suis très old school hein, dans mes entraînements. Hein. J'ai dit toujours, moi, la base, c'est la base. Je cherche pas des exos. Tu sais, de nos Je jours, les gens, m'entraîne ils cherchent uniquement. toujours l'exo-exotique, pensant que ça va être la formule magique et tout. J'entends des trucs, des fois, je me demande ce qu'ils foutent des gens, tu vois ce que je veux Faut pas vous dire. prendre la tête, les gars. Hein. Poussez bien, mangez bien, redormez bien. Et déjà, c'est déjà beaucoup. Hein. Je m'entraîne uniquement avec des barres, bancs et haltères. Je n'arrive pas à m'y faire aux machines. Bah écoute, si ça te convient, les machines, fais pas les machines. Hein. Si tu progresses avec barre et haltères, c'est très bien. Hein. Faut pas vous prendre la tête. Hein. Si vous aimez pas un truc, le faites pas, les gars. Hein. Louis, je suis plus fort que toi. Eh ben. Rends bien lui Ouais, il y a face. deux bananes. Ouais. C'est bon les bananes. Hein. C'est environ 90 calories par banane. Donc après, si vous voulez calculer vos apports caloriques. Hein. Alors, vidéo avec Gérard Vess, c'est prévu. C'est juste lui qui me donnera le top quand il sera d'accord pour parler muscu. Mais c'est prévu, c'est prévu. Je dois l'appeler cette semaine d'ailleurs. Louis, est-ce que tu sens pas trop de fatigue musculaire? Vu que tes Ah triceps ne si, récupèrent hein. pas assez pour les pecs. Ben si, hein. Il y a des fois où c'est mon jour de repos, je suis à la maison et ça m'arrive de m'ennuyer et du coup je vais à la salle. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup j'ai loupé le jour de repos et je recommence donc mon cycle d'entraînement. Effectivement, et ben, à un moment donné où tu commences à sentir la fatigue, tu vois. Et Ouais. puis tu t'arrêtes pendant 2-3 jours pour récupérer et bizarrement, au troisième jour, tu es énorme, ben, parce que tu as récupéré. Comment faites-vous pour gérer les glucides si vous ne les comptez pas? Ben, c'est à force de faire, hein. Je sais à peu près ce que j'ai besoin depuis que je gère ma diète comme ça. Donc tu regardes à peu près au début, puis tu t'adaptes en fonction de tes résultats physiques dans le miroir, quoi. Mais Bah, non, c'est compter, ça. à Tous les part jours, moi, si tu ma veux faire journée de la commence à être compétition, noire. mais ton meilleur allié, c'est le miroir, hein. C'est toujours ce que je dis, moi. Moi, c'est même pas la balance, Ouais, quoi. c'est le miroir, ta jauge. C'est le miroir. Tu t'en fous que tu as pris du poids ou tu n'as pas pris de poids. C'est le miroir, c'est ta jauge. Ouais. Alors, Didier nous dit, le power building, c'est un mélange
Power, plusieurs séries très courtes, 4 reps après un long échauffement sur le premier exercice suivi d'un entraînement classique. Ah oui, d'accord. Ouais, tu fais du très lourd au départ et après, ouais, non, j'ai jamais fait ce genre de choses. À tester peut-être, hein. Moi je suis ouvert à tout type de programme. Gérard Vives, oui, il s'entraîne encore, il a sa salle, il a déménagé là sur Nevers. Et il a une salle perso, il a un home gym à lui, quoi. Bananio, je précise, ouais, bah ouais. À quand un live avec Gundil? Bah, c'était, on devait en faire un le mois dernier, puis ça n'a pas pu se faire parce que finalement il avait d'autres trucs à faire, donc on repousse. Quand c'est pas moi qui peux, c'est lui qui peut pas, etc. Mais c'est prévu, je pense, courant novembre. Une Heineken pendant la séance, ça passe. Bah écoute, si t'as pas de problème Bah, de moi, j'ai pris une remontée Borchomi il y a gastrique. 3 semaines à la salle, tellement il faisait chaud. Ouais. Bon, Borchomi, c'est la bière de base hongroise. C'est possible de progresser uniquement avec des supersets pour éviter l'ennui à un niveau intermédiaire. Bah oui, si à chaque séance tu essayes de faire mieux que la séance précédente, tu progresseras forcément. Et si tu les sens toujours? Ouais, aussi ouais. Au début, c'est sympa les Maxime, supersets, mais la routine, il y a un ouais. coût aussi, hein. Maxime demande, qu'est-ce qui t'a fait exploser en termes de volume au niveau des bras? Quel exo, quelle intensité? Je pense que ça va ça toi. Ben, il n'y a rien qui fait exploser tes bras, il y a juste la progression qui est linéaire, des fois un peu mieux, un peu plus rapide et tout ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de truc qui te fait exploser que du jour au lendemain, tu te retrouves avec 5 cm de plus au bras. Et puis les bras, c'est aussi une question génétique, tu vois. Quand tu vois dans mes anciennes vidéos avec Christian, le compétiteur, qu'on s'entraîne ensemble, il est énorme. Il est sous tous les produits qu'on peut trouver de nos jours, y compris insuline, GH, tout ce que tu veux. Et bizarrement, il n'aura jamais mes bras, tu vois ce que je veux dire? Gérard Vives était-il un compétiteur? Non, pas du tout. Il n'a jamais fait de compétition. Ça vous arrive d'aller à la salle puis de partir parce que pas envie? Ça m'est arrivé deux fois. Deux fois Ouais, moi en aussi, 15 deux ans. fois. Moi aussi, deux fois. Ouais. Là, c'est Mais quand vraiment, j'ai mis les chaussures, je les ai nerveusement. enlevées, je me suis barré. Là, généralement, c'est plutôt quand nerveusement, tu es fatigué aussi. C'est pas vraiment musculaire, c'est déjà nerveusement aussi. Tu vois, tu arrives à la Oui, c'est perf. ça. Il faut savoir, les gars, que le système nerveux récupère beaucoup plus lentement que les muscles. Quand vous dormez, c'est surtout le système nerveux qui récupère, hein. Donc, si vous dormez pas assez, si vous tapez trop dans le corps, à un moment donné, le système nerveux il vous dit stop, hein. Dans ce cas-là, vous prenez une bonne semaine de repos et ça repart. C'est ce que j'avais fait. Ouais, les premières phases de sommeil, c'est le système nerveux. Quand tu rentres en profondeur, tu commences à réparer les muscles. Voilà. Que pensez-vous des élastiques accompagnés de charge libre? Alors moi, je fais souvent du comment on appelle ça, de la pré-fatigue aux élastiques. Ça m'a bien servi pour mes pecs. De toute façon, en confinement, j'avais quasiment que ça avant de m'acheter des poids. Donc c'est bien pour maintenir, mais de là à progresser, prendre beaucoup de masse, comme le disent certains, je suis pas C'est convaincu. pas la panacée universelle, mais pas du tout, hein. Non. Tu sais, il suffit de regarder les anciens bodybuilders, ils n'ont rien envie à ceux d'aujourd'hui, ils n'ont jamais utilisé d'élastique, hein. Le bodybuilder qui vous a le plus impressionné, moi perso, bah, c'est les années 80, 70, 80, Lou Ferrigno, Schwarzenegger. Les physiques d'aujourd'hui, moi, me bottent moins. Là, je sais pas à quoi ils tournent en matière de stéro, mais je suis pas fan. Moi, j'ai eu la chance d'être à Mister Olympia 1985, je crois, à Bruxelles. Et à cette époque-là, je sortais avec la fille du présentateur de l'émission l'émission sportive de la RTB pour les anciens Ouais. Belges, Richard Debert. Ben, je sortais avec sa fille, Béatrice. Et moi, j'ai eu des places VIP. J'étais au deuxième ou au troisième rang. Et devant moi est arrivé, tiens-toi bien, Danny Padilla, Yusuf Wilcox, Tony Pearson, Chris Dickerson, Frank Zane, Sergio Oliva, attends, Jacques Neuville, le français, un Italien dont j'ai oublié son nom qui était hyper costaud aussi. Pas tous les gars des années 80, je les ai vus. Et par la suite, comme ils étaient en Europe, il y a eu 3 séminaires sur lesquels j'ai été. Il y avait le séminaire de Chris Everson, Miss Olympia, Frank Zane que j'ai vu en face. Franck Zé, il ne m'a pas du tout impressionné, mais pas du tout.
Il est tout fin, esthétique. Le problème, c'est qu'avant Transgen, j'avais vu le séminaire de Gary Strydom, tu vois. Alors, quand tu as 17 ans et tu vas voir Gary Strydom qui fait 1m85, 88, avec des mollets qui sont aussi larges que tes cuisses, tu vois, qui a les stries partout. Et à cette époque-là, il y avait avec lui qui l'accompagnait, je ne sais pas si tu te souviens, le Brésilien Luis Freitas, un blond avec des cheveux longs derrière, qui est allé en prison pour trafic d'anabolisants. Il était là aussi, il était énorme, il était large comme ça. Mais moi, j'ai vu Gary Strydom en vrai, avec des stries dans les mollets, je te le jure, des stries dans les mollets, tu mets ton index dans les stries, tu vois. Et puis, je tombe dans la semaine d'après sur Frank Zane. Et quand à la fin du séminaire, il s'est enlevé les fringues et il s'est mis en maillot pour faire son t-shirt, je me dis, attends, quoi. Moi, je vais au palais des expositions de Bruxelles pour le salon du fitness et je vois les Belges, Erwin Knott, Eric Peters, qui sont deux fois comme Frank Zane. Je vois le Belge Thierry Gunst. Thierry Gunst, 2 mètres, 145 kilos. Il fait les cœurs à 90 et 120 kilos. Qu'est-ce que tu veux être impressionné par Frank Zane qui faisait à tout casser 80 kilos, tu vois? Frank Zen, j'ai discuté avec lui il y a 2 mois pour faire un podcast. Il me demandait 120 $. J'ai fait non. Bah, c'est pas cher, je trouve. Ouais, enfin bon, je vais pas claquer 120 $ pour faire 50 vues sur ma chaîne. Ça, c'est déjà, ouais, d'un point de vue-là, je veux bien. Mais j'ai français quand même demandé 120 dollars. Je sais pas, là, moi, je pense qu'il a te demandé du style 1000 dollars, 1500, 3000 dollars, tu vois. Non mais c'était genre pour 20 minutes, hein, c'est pas. Ah, ok. Le Ah, attends, problème des merde, tiens, j'ai séminaires, plus. c'est que moi, j'ai été voir les séminaires de ces gens. Et en réalité, tu les vois, c'est une chose, c'est sympa de les voir en vrai, tu vois, surtout quand tu es encore jeune, tu fantasmes sur ces bodybuilders. Mais est-ce que j'ai appris quelque chose? Bah non. J'ai rien appris de spécial. L'image que j'ai au niveau de Marco. ce qu'il nous montrait, c'est comment faire un bon rowing à la barre pour le dos, tu sais, avec le tronc penché. Mais franchement, j'ai pas appris grand-chose parce qu'en fait, il nous a parlé de sa technique d'entraînement, mais c'est de nouveau une technique parmi tant d'autres, donc ça peut marcher un petit moment, mais après, c'est fini, quoi, t'as la routine, tu vois. Tristan, cure de magnésium, très bon le magnésium. Pouvez-vous C'est expliquer avec quoi des le mots simples ce magnésium? qu'est la synthèse protéique? Bah, c'est comment tes cellules vont prendre ta nourriture, extraire la protéine de la nourriture pour la distribuer aux muscles, en gros. Vandamme naturel ou non, j'en sais strictement rien. Qui ça? Vandamme. Moi, je dirais oui maintenant. Je m'en fous un peu en fait, savoir si qui est naturel ou pas. Moi, je ne connais Je sais pas. personnellement, par exemple. Je sais pas. Moi, j'avais fait un entraînement avec. Bah, t'as connu Kissi? Bah, celui qui faisait. Avec Il elle, était avec qui? dans. Avec Mohamed ou avec Avec. Ariel? Non, Mohamed. Mohamed, on Ah, je était connais parti Mohamed. dans le sud de France quand je faisais du Viet Vodao. On faisait des démonstrations d'arts martiaux. Il était là avec nous. Moi, je Et il connais venait de tous les deux, tourner c'est le grand Abdel et tournoi. Mohamed. Ouais. Non, c'est Abdel, pardon. Abdel Kissi, j'étais, pardon. Mohamed, c'est celui qui faisait Tangpo. Que pensez-vous de l'entraînement? Fréquence 2 fois par muscle, type half body. 2 fois par muscle? 2 fois par semaine, je pense que tu veux dire. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est 2 fois le muscle par semaine. Il te fait 2 fois 2 jours, 2 fois le half body. Ah, 2 fois half body. Bah, si tu débutes, je dirais ouais. Si t'as plusieurs années, je te dirais qu'il faudrait passer un split à 1 fois par semaine avec Non, un moi je ne rappel si ferai tu veux pas en comme faire. ça le half body. Moi je ferai le half body comme ça. Je compte plus par semaine, je compte par cycle. 2 jours, un jour repos, 2 jours, un jour repos, 2 jours, un jour repos, 2 jours, un jour repos. Ouais, c'est bien ça. Vive les beaux mollets, ouais, c'est vrai. Quel regard portez-vous sur le fit game qui dit, je pense tout et n'importe quoi, t'as voulu écrire, pour faire des vues ou qu'on leur achète des programmes? Ben, t'as la réponse dans ta question, en fait, c'est totalement inintéressant pour moi. Ben, ce que je ne supporte pas, c'est les titres putaclic, genre devenez balèze en 3 minutes, quoi. Donc ça voilà, c'est bien pour les petits jeunes de 14 ans qui rêvent, mais ça se passe en salle en travaillant dur et longtemps, la vérité. Gérard, tiens, hey, Gérard, renvoie.
Gérard Training, si tu es encore là, envoie-moi en MP hein, tes disponibilités qu'on fasse notre live aussi. Hein. C'était prévu, mais à chaque fois, on repousse. Je sais que tu étais malade ces derniers temps, mais comme là, je vais être pas mal pris en main, n'hésite pas à m'envoyer rapidement tes jours de dispo, s'il te plaît. Frank Zen. Ouais, mais Frank Zen était très esthétique, mais c'était pas le plus massif, c'est sûr. Il n'y avait pas que lui qui était esthétique. Hein. Tony Pearson, il était esthétique aussi. Bob Paris, il était esthétique aussi. Hein. Ouais. Je trouve même des conseils pour bien dormir, bah te coucher. Que Franzel, hein. Ouais, bah après, chacun a peut-être ses goûts, je sais pas. C'est sûr que c'était de toute l'équipe, c'était le moins massif, quoi. Avez-vous des conseils pour bien dormir? Te coucher toujours à la même heure, prendre du magnésium et de la mélatonine. En ce qui me concerne. Que pensez-vous du feed game? Bah, ça dépend qui, quoi. Moi, je suis pas beaucoup de monde. Hein. Il y a des très bons et des mecs qui feront juste des titres putaclic. Et des mecs très très bons qui sont pas dans le feed game. Hein. J'en connais aussi. Hein. Exécution contrôlée ou rapide? Moi, je dirais contrôlée rapide. Toi, Louis, je sais pas si. Quel est ton. Ben, ça dépend. Quel est le but du gars? Si c'est du bodybuilding, c'est bodybuilding, il n'y a pas de rapide, il n'y a pas de mouvement explosif en bodybuilding, ça ne sert à rien, moi. Bah, disons, il faut qu'il y ait un temps sous tension quand même qui soit, enfin, j'allais dire long, c'est tout relatif hein, en disant ouais, y a long, une mais. Règle qui veut que le temps sous tension soit supérieur à celui. C'est-à-dire qu'on veut que la phase où on s'oppose à la charge, donc le négatif, soit plus long que la version positive. Tu vois? Faut pas trop faire de mathématiques, faut juste s'entraîner parce que si tu rentres dans des considérations comme ça, tu vas plus t'en sortir, quoi. Il y a tellement de paramètres ouais. Qui rentrent en ligne de jeu. Entraîne-toi, point barre, quoi. Tu restes sur tes bases, c'est bon, quoi. C'est des questions qui reviennent à toujours cette quête du débutant qui a l'impression que l'on est en train de lui cacher quelque chose. Qu'on ne lui dit pas comment il faut faire, tu vois ce que je veux dire? Il faut juste s'entraîner, point barre, quoi. Trouvez-vous le soulevé de terre est rentable au niveau de la prise de muscle et de la perte d'énergie? Qu'est-ce que tu penses du soulevé de terre, toi? C'est BRCMLT, alors je ne sais pas alors, comment prononcer ton nom. Le soulevé de terre, c'est ça, un très long thème, si on parle en prise de masse et tout ça. Bon. Déjà, le soulevé de terre, c'est un exercice où, quand il est bien fait, ça tape grave sur le système au niveau que, on peut dire que c'est un exercice anabolique. Ça veut dire que quand c'est bien fait, quand les poids sont adaptés, quand le gars tire dans ses séries, effectivement, l'organisme reçoit une telle punition que pour réparer tout ça, il va falloir produire de l'hormone de croissance, ce qu'on appelle, tu sais, les saignements d'or. On appelle ça des saignements nocturnes de comment dire ça, d'hormones de croissance. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'exercice lui-même, en tant que mouvement biomécanique, il a répercussion sur les groupes musculaires. Moi, j'en refais maintenant du soulevé de terre parce que j'ai un problème au niveau des tractions à cause d'une douleur de coude très aiguë. Donc, j'en refais. Mais je veux dire, ce n'est pas un exercice qui travaille précisément tel ou tel exercice, tel ou tel muscle. C'est vraiment une chaîne de muscles qui travaille et c'est difficile de dire qu'un soulevé de terre, par exemple pour les dorsaux, c'est bon pour les dorsaux, mais je veux dire, si tu fais que tu as du soulevé de terre, tu vas voir que tu n'auras jamais un dos en V, par exemple, parce qu'il te manque la tête. Ah non, c'est sûr, mais c'est très bon pour les lombaires, en lombaires, ischio, fessier, c'est excellent, quoi, de si mon point de vue. Coup, alors quoi. J'ai bloqué un mec, alors je vous... Hein? En même temps, le soulevé de terre... ça passe ou ça casse, quoi. Ou ça va, tu le fais et ça passe bien, ou alors tu commences les lombalgies à cause du soulevé de terre. Parce que c'est quand même une hyperextension, tu vois. Ouais. Steven Bodybuilding, bonsoir de Belgique. Salut Steven. S'entraîner et surcharger progressif, c'est la base. Pas spécialement. La surcharge progressive, c'est ce qu'on appelle pyramidale. C'est une technique parmi tant d'autres. Hein.
Que pensez-vous Quand tu débutes en des gourous du musculation, fitness qui vont être coachés comment tu veux à faire du distance? progressif quand tu débutes en musculation? Déjà, tu travailles avec des très petits poids très légers, donc ça te donne une marge très très réduite de progression pour faire du progressif, tu vois ce que je veux dire? Que pensez-vous des gourous du fitness? Bah, j'ai déjà dit, hein, moi, ça, je les suis pas. Les coachings à distance, si le gars ne te voit pas, qu'il connaît pas ton rythme, ton métabolisme, ton squelette, tout ça, il peut te vendre ce qu'il veut, hein, mais ça marchera pas, quoi. Moi, je voudrais dire un truc sur ces fameux coachs à distance, là. Alors, je vais t'expliquer une chose. En tant que coach, même si tu es compétent et que tu sais faire de bons programmes, le problème, c'est que tu ne vois pas ton client, tu ne sais pas ce qu'il fait en salle. Donc, tu peux Bah, lui c'est faire le ça. meilleur programme du monde. Si le gars, il n'exécute pas bien, si le gars, il ne sait pas bien faire l'exercice, si le gars est un feignant, si le gars, il passe sa vie sur son téléphone pendant les entraînements, ben, tu peux lui donner le meilleur entraînement du monde, ça ne va rien donner. C'est pour ça que moi, je suis contre ça. Ou bien tu es là avec ton client, tu regardes ce qu'il fait, tu le motives pour l'entraînement, tu corriges, ou tu ne le fais pas, quoi. Moi, je dis que les gens qui font des programmes coaching en distance et qui vendent des programmes sous forme de PDF et tout comme ça, ce n'est pas des coachs, c'est du business, c'est de la vente. C'est de la vente. Ah, tout à fait d'accord. Ouais. Moi, par Matt exemple, Walk, alors je je fais. pourrais répondre à ta question, Moi. Matt, concernant le cyclisme, parce que mon frère est champion de vélo et donc il faut aussi de la musculation. Le problème, c'est que ton corps, il va à un moment donné, il va prioriser ce que tu lui fais faire le plus. Donc il va falloir que tu choisisses un moment entre soit vélo, soit muscu, mais tu deviens passif. En plus, si tu fais du vélo, faut pas que tu sois trop lourd. Moi, à Et ta place, n'oublie je pas une chose verrais avec le essentiel. vélo. Dès avec le Comment? vélo, c'est un sport d'endurance, hein. C'est-à-dire que Ouais. c'est un sport où on est tout le temps en activité. Alors, cette Voilà, c'est fameuse ça ce que théorie là j'allais qu'on ne dire. peut pas s'entraîner plus de 50 minutes par jour à cause de la production de cortisol. Alors, il faut savoir qu'un cycliste, lui, est dans le cortisol, il en bouffe à la cuillère parce que le cycliste, avec les sports qu'il fait, quand ils font des étapes de 2-3 heures, ben, ils sont en pleine dent. Ils sont en pleine dent. C'est pour ça que, par exemple, les cyclistes pour un marathon, ils n'ont pas beaucoup de masse musculaire parce que, justement, ils sont dans le cortisol. Souvent même, ils paraissent plus vieux que leur âge. Alors, quand on parle de surentraînement, pardon, quand on parle de cortisol en bodybuilding, on ne peut pas s'entraîner plus de 50 minutes. Regardez bien, l'autre jour, par curiosité, j'ai regardé mon temps que j'ai passé en salle et le temps effectif des séries. Bah, sur 1 h 15, je suis à peu près à 20 minutes d'entraînement. Parce que quand vous êtes à l'entraînement en bodybuilding, il y a les temps de repos. Les temps de repos, ce n'est pas compté comme entraînement, hein. Il n'y a Non. aucune activité. Donc dire qu'à partir de 50 minutes en bodybuilding, en musculation, tu fais du cortisol, je ne sais pas. En fait, c'est toujours le même truc, hein. C'est ces gars du fit game qui sont à la quête tu sais, d'un faux sensationnel pour faire des clics et de prendre comment je dis ça, des études et les tours de la façon que ça les arrange, ou peut-être qu'ils n'ont même pas du tout compris l'étude et vont rebalancer ça sur leur chaîne. À un moment donné, c'est bon, quoi, les mecs. Arrêtez de balancer les théories, allez vous entraîner, montrez-nous ce que vous savez faire alors. Mais encore une fois, cette histoire du cortisol après 50 minutes, sur les sports d'endurance, oui, la musculation, c'est un sport de résistance, c'est-à-dire un effort très violent sur une courte période de temps, comme le sprint. Ouais. Aussi simple que Donc, ça. Matt, c'est pas que, donc, pour répondre à ta question, Matt, c'est pas conciliable, c'est qu'à un moment donné, il faudra que tu choisisses dans lequel tu voudrais être vraiment bon, quoi, parce que tu pourras pas progresser dans les deux, en même temps. C'est pas Mais moi, je serais toi, conciliable de faire un sport je d'endurance bosse, comme le vélo et faire la bah, musculation. ouais. Tu peux pas. Tu vas pas prendre du volume. Et en plus, dès que tu reprendras tes courses de vélo, ton organisme va retirer ce qu'il n'a pas besoin, c'est-à-dire tout ce que tu auras pris en haut, en masse, quoi. Attends. Attends, Donc, Chris, moi j'ai un bon exemple sur le vélo. À l'époque, quand j'ai eu l'accident en vélo, en allant au boulot, donc j'avais une luxation de l'épaule, je ne pouvais pas m'entraîner. Et à un moment donné, j'ai repris l'entraînement parce que je faisais beaucoup, puisque j'étais en congé maladie à la maison pendant un trimestre. Je faisais du vélo tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je faisais mon fameux petit tour de 42 km. Et alors, le samedi, je faisais le grand tour. Moi, j'appelais ça le grand tour. Et là, c'était 94 km. J'allais encore à la salle. Mais j'étais plein, hein. J'étais plat. J'étais plat à cause du vélo. Je prenais plus de volume, j'étais plat. J'étais en train de bouffer ma protéine musculaire, tu vois. Pierre-Olivier, quel exercice pour occulter les fessiers et faire du volume? Je ne sens pas trop les fessiers sur les squats ni le soulevé de terre. Alors moi, je vais te dire la chaise à lombaire, sans hésitation. Ah ouais. Ouais, mais il faut alors que. Attends, attends. Il faut que ton bassin soit hors de l'appui alors.
pour qu'il y ait une personne. Exactement. Et il faut faire une rétroversion aussi quand tu remontes. Il ne faut pas cambrer ton dos. Et pour le cul, il n'y a rien de tel que les fentes avant, hein. Aussi, ouais, c'est vrai, ouais, sur un banc. Ou alors, Ou sur une sur une un unilatéral en step, presse pardon. 45 degrés avec les pieds très hauts, si l'appui le permet, les pieds très hauts. Dès que tu passes une certaine hauteur, ben, tu tapes dans les ischios et dans les fessiers. Ouais. Marco, concernant ouais, les débutants avec des charges légères, oui, c'est léger pour eux, mais comme tu dis, c'est relatif. C'est Attends, léger pour nous, je mais vais dire pour tout le monde ce pas que pour eux. c'est léger, lourd. En bodybuilding, la notion de poids, léger, lourd, elle ne s'exprime pas en kilogrammes parce que c'est individuel. Ce qui est léger pour un peut être lourd pour l'autre. Donc, C'est ça, ouais. dans les grandes lignes, je vais expliquer c'est quoi le lourd, le super lourd, le léger, le moyen. Alors d'abord, il y a le léger, c'est quand vous passez le cap des 15 répétitions. Il y a les poids moyens, c'est quand vous êtes à peu près entre 12 et 12 répétitions. Il y a les poids lourds, c'est quand vous êtes dans les 6, 5 répétitions. Et il y a les super lourds, ça c'est les séries uniques, il y a une répétition, les triplés. Donc en fait, si quelqu'un arrive à faire une répétition maximum au développé couché à 50 kilos, pour lui c'est du super lourd. Moi, 50 kilos, je vous tape 100 répétitions, c'est du super léger. Tu vois? C'est ça dépend des gens. Comment rattraper un bras gauche plus fin que le droite? Ah bah, je dirais bosser le bras gauche un petit moment sans toucher au droite. Et ça, c'est génétique. Y a Capé qui te parle, Louis. Salut Louis, on s'était parlé sur Facebook, tu te souviens, je fais du basket longiligne très sec. Les longilignes très haut, très sec pour prendre du volume. Vas-y, hein. Ah, c'est dur, hein. Moi j'étais très longiligne et j'en ai chié. Hein. J'ai vraiment L'exemple qui dû prennent du volume, comme par exemple chez nous à la salle, Christian Beretsky qui fait 1,89 m ou un truc comme ça, Oh où le putain, gars, ouais. je vous ai montré l'autre jour sur ma vidéo, qui fait presque 2 mètres, mais tout en proportion. Ben voilà, c'est parce qu'ils sont grandis, mais tout en proportion. Mais les longilignes tout fins, là. Même ils peuvent faire tous les squats du monde, même sous stéroïdes, Faut ils peuvent manger. pas. Faut manger, 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 les gars. Les fentes bulgares pour les fessiers, ouais. Qu'est-ce que vous appelez les fentes bulgares? Vous nous sortez toujours des noms là, en France, mais grave, les fentes bulgares. Le facteur numéro un de la musculation, c'est la patience. Mais on se tue à vous le dire, putain, mais évidemment que c'est la patience. Les rest pauses, oui, Redouane, on peut s'entraîner en lourd avec des rest pauses, ouais, c'est vrai. J'en fais de temps en temps. Hello, vous êtes top, les gars. Bah, merci, Bred, Olivier. Olivier Brel, pardon. Les rest pauses, moi je vais donner une technique pour les rest pauses. C'est ce que moi j'appelle les séries marathon. Ça veut dire quoi? Que je vais utiliser un poids avec lequel je peux faire normalement à peu près 10 reps, mais je vais en taper 15 ou 20. Donc ça veut dire quoi? Que je commence mes reps de base avec lesquels je peux utiliser ce poids, par exemple 10, je dépose, et là je ne dépasserai jamais les 10 secondes et je continue tant que je peux, par palier, les rest pauses. Juste quand j'arrive à 15, voire même 20. Et c'est une très bonne technique. Et tu prends du volume Ouais. très rapidement quand tu fais ça. Parce que c'est vraiment une grosse surcharge. Parce que, essaie de comprendre c'est quoi le projet. C'est qu'en fait, tu utilises un poids avec lequel tu ne peux pas dépasser les 10 reps. Et que là, tu vas les monter jusqu'à 20. Ça veut dire que tu vas créer une telle quantité de travail en sans avoir déchargé en gardant le même poids. Tu vas faire de l'hypertrophie, hein. C'est C'est ça, parce très qu'il dur à faut pas faire. oublier que c'est pas un échec musculaire, c'est un échec nerveux, hein. Le muscle il peut encore travailler, hein, donc faut taper dedans, hein. N'ayez pas C'est dur peur à faire, moi je te de. le dis. Hein. Et quand tu Ouais, accumules ouais. ça par le nombre de semaines, vas-y. Hein. Combien de fois mangez-vous par jour? Moi, 6 à 7 fois. Je suis obligé parce que je suis vraiment ectomorphe. Hein. Si je mange pas Sérieux? régulièrement. Moi Hein? pas. Moi 3 fois. Et des fois 2 fois. Et Ah, alors je rajoute des protéines en forme de shake parce que je suis occupé toute la journée. Regarde, aujourd'hui, je vais dire ce que j'ai mangé jusqu'à maintenant. Et on est quand même 5 h de l'après-midi. Et je me suis réveillé très tôt. Donc ce matin, je me suis fait un milkshake protéine avec 2 bananes, une pomme
et de l'avoine. Puis j'ai mangé un pain complet, un petit pain complet avec directement toute la barquette de jambon de poulet. Donc ça faisait 23 grammes rien que pour le jambon de poulet. Et là, je viens de remanger un sandwich avec cette fois-ci du jambon d'Inde qui est aussi à 23 grammes. Et là, il me reste juste un steak Angus beef de 300 grammes pour ce soir que je vais mettre dans une tortilla mexicaine. Finalement, c'est pas Bon, beaucoup, hein. on n'a pas le même gabarit, hein. Moi, si je mange ça, je deviens énorme. Au bout de combien d'années d'entraînement avez-vous constaté une stagnation ou une progression moins rapide? Oh, je sais pas. Il y a plusieurs paliers. Il y a plusieurs paliers. Bah ouais, c'est ça. Des fois, ça repart d'un coup, tu te remets à progresser comme un taré, puis ça re-ralentit. Mais sinon, je dirais, allez, au bout de, je sais pas, allez, 5-6 ans, peut-être, ça commençait à être un peu moins rapide, mais. Après, c'est Mais la moi, je ne sais pas si régularité qui c'est moins fait. rapide. Je crois que c'est plutôt que ça se voit moins. Tu Ouais. vois? Parce que Bah oui, de toute façon, un quand tu peu es à pareil. zéro, tu commences à avoir des muscles, ben, tu le vois plus vite. Mais une fois que tu as déjà des muscles, c'est visible. Je crois qu'au niveau visibilité, c'est un peu plus dur à voir les progressions, mais je pense que c'est plus ou moins la même. Olivier, j'ai 46 ans, petit jeune. Je suis actuellement sur une routine au bas. Un repos au bas. À partir de quand passer à une autre routine? Ben, c'est ce que je t'ai dit, la routine, tu la changes quand tu arrêtes de progresser. Tant que ton programme fonctionne, garde-le. Garde-le. Et quand tu en as marre ou tu sens que nerveusement, tu n'arrives plus à y aller avec ce programme-là, que tu n'as plus envie, change. Mais tant que ça marche, faut pas changer, les gars. Merci, Maxime. Chris, que penses-tu du physique de Dorian Picard? Mais j'ai jamais vraiment vu son physique à Dorian, en fait. Ben, il ne faut pas voir son physique, hein. Il ne faut pas être un expert de l'anatomie pour voir avec la tronche qu'il a comme ça, ben, il a le même physique que sa tronche, hein. Enfin, j'ai pas vu de photo de lui torse nu, tu vois. Donc je peux pas juger sans vouloir faire de voilà de pic gratos. Je peux pas répondre. Il faudrait que je voie une photo de lui vraiment. Torse nu, je N'y pourrais faire a une pas de idée photo après. de lui torse nu, il n'y en a pas. J'en ai pas vu, non. Il est d'accord pour critiquer tout le monde, mais on l'a jamais vu, lui. Tu vois, c'est ça qui est très fort, quoi. C'est ça qui est très fort chez lui. Parce qu'en fait, quand Est-ce tu que tout. expliques à quelqu'un de la sport, au moins tu montres quelque chose. Moi, je leur ai dit, hein, au début, dans tout celui qui vient montrer nos entraînements, vous foutez rien en salle. Mais moi, par rapport à ça, je montrais mes entraînements, tu vois. Donc, quelque part, j'argumente derrière, tu vois. Mais lui, il critique tout le monde, mais il ne montre jamais rien. On voit jamais rien, jamais. On voit même pas l'entraînement, lui. Que dalle. Que dalle. Il a fait des cures de pas possible de stéroïdes, mais des cures pas possibles. Et il n'y a aucune trace de ça. Hein. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Hein. Excuse-moi, mais quand tu fais une cure et que tout à coup tu te retrouves avec un physique hors norme, tu fais quand même des photos pour t'en souvenir. Je veux dire, il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien, 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 absolument rien, zéro. Je sais pas. Je sais pas, je vais pas répondre une connerie, je sais pas comment il est sous le t-shirt, très sincèrement. Est-ce que toutes les calories se valent? Non. Non. 3000 calories de McDo, c'est pas 3000 calories de poulet, hein, parce Non, que dans le c'est McDo, pas la tu même auras du chose. gras, tu auras du. Non, non, ça ne se. Non, toutes les. Allez, commencez pas à les taper dans les McDo et toutes les merdes, parce que vous prendrez de la masse, puis vous prendrez énormément de gras, c'est dommage. Enfin, Louis, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est mon avis. Non, c'est exactement la même chose. C'est pas la même chose, hein. J'ai une douleur récurrente avant-bras des paumes de la main qui date depuis le confinement. Peut-être un écrasement d'un tendon. Ou... C'est Ça pas à m'avait cause fait de la ça, moi, crevette? quand je faisais développer couché lourd, à un moment donné, j'avais ce genre de douleur aussi. Body Max, bonjour Body Max. Est-ce que je peux te donner Instagram pour que tu montres à Louis s'il va rester une conversation sur Facebook? Est-ce que je peux te donner Instagram, Chris? Pour que tu montres à Louis, il Tiens, va préciser. je vois ici qu'il y a un des gars de ma chaîne, Tristan. Qui habite dans le Pays Basque, Tristan, là, il s'est aussi critiqué par le Picard, mais il faut le faire quand même. Ce gars, il a du culot quand même. Hein. Ah, c'est dommage. Enfin, moi, je trouve ça débile. Moi, c'est niveau maternel de se critiquer entre. Enfin, je me considère pas du feed game. Hein. Je suis tout nouveau là-dedans. Puis, je suis loin d'être le plus balèze, mais c'est. Y a autre chose à foutre, quoi. Capé, je comprends pas ta question par rapport à Instagram. Donc, si tu veux m'envoyer un truc Instagram, envoie-le sur mon Instagram perso et puis je verrai ce que je ferai avec.
Quel âge j'ai? J'ai 51 ans dans 2 jours. Peut-on prendre du gras avec du McDo si à la fin de journée on s'est quand même en régime hyper. Quelque chose me dit, Marco, que tu as envie d'aller chez McDo ce soir. Non, 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 tu vas prendre du gras quand même, parce que c'est... Non, tu vas prendre du gras quand même, hein. Ouais. Des conseils pour muscler le cou, Louis. Pourquoi il veut muscler le cou? Moi, je dirais les shrugs. Ben, il y a des exercices, mais par exemple, à l'époque, nous, dans les deux salles où j'allais en Belgique, on avait une espèce de, comment je vais appeler ça, une sangle casque, on va dire, avec un mousqueton, et tu faisais Oui, tes ouais. exercices. Mais il faut faire gaffe pour pas trop jouer avec le cou, hein, parce que si tu as le moindre problème, c'est un passage de truc nerveux, là. Tu fais des rowings, tu Ouais. fais des shrugs, ouais, il y a le cou qui travaille un peu, ouais. Ouais, sinon tu t'allonges sur un banc et la tête étant assez Ouais, tu lourde, fais déjà en faisant des remontées, déjà tu vas te muscler cette Ouais, en fait, partie-là. tu t'allonges sur un banc et tu mets un disque sur le front et tu gardes, tu fais ça, en fait. Mais moi, je jouerais pas trop à ça, quoi. Ouais, j'ai reçu ton message, Capé, je vais voir ça tout à l'heure. J'étais déjà abonné, mais écoute, merci, c'est fait pour. Voilà, je vois. Alors, j'ai peut-être des questions, les gars, je me répète, mais on m'a dit que mon micro était trop fort. Je l'ai éloigné, j'ai un peu baissé, j'espère que ça va, que je ne vous casse pas les oreilles, sinon je m'en excuse. Je pensais qu'il était impossible de faire du fat en étant en hypocalorie. Bah ouais, mais si le peu de calories que tu prends, c'est de la merde, tu stockeras de la merde. Louis en super forme et toi aussi Chris, super condition. Merci, merci, merci. Tu te souviens à l'époque, il y avait un gars qui avait sorti à l'américain, qui avait sorti le. Je me souviens bien, c'était le régime McDo, où ils allaient bouffer du McDo pour prendre des calories. Tu te souviens de ça? Tu dis, on en a parlé un peu. Ouais, mais je crois qu'il a fini à l'hosto ou je sais plus quoi, le mec. Parce qu'eux, ils calculaient en termes de calories et pas en termes d'origine des calories. Tu vois ce que je veux dire? Ils croyaient que Ouais. si tu manges 2000 calories de nourriture saine et tu manges 2000 calories de junk food, c'est quand même 2000 calories. Ben non, c'était pas 2000 calories, c'était une autre Ah non, chose, non, quoi. non, c'est pas, ça a le même nom, mais ça n'a pas le même résultat, les gars. Quel est ton exercice favori pour le haut des pecs, demande Maxime. Ben, enfin, favori, l'exercice qui marche pour le haut de pec, c'est les inclinés, mais il faut savoir que quand vous faites du développé couché plat, le haut travaille aussi, hein. C'est sûr, oui, ouais. Alors, moi, perso, j'ai commencé à en prendre vraiment quand j'ai tapé dedans en faisant énormément de, comment ça s'appelle, d'écarté poulie basse en série très très longue. Et après, j'allais faire du développé incliné aux haltères en rapprochant les coudes de façon à accentuer la contraction des pecs. Et ça a été très bénéfique pour moi. Poulie Pour basse, moi, comment hein. la poulie basse? Quand tu es debout et tu ramènes Bah, devant la comme poulie ça? est accrochée en bas et je la monte là, comme ça, là. Ouais, c'est le Voilà. mouvement biomécanique du haut des pecs. C'est ça. Et en faisant dans le sens des fibres. Ouais. Et moi, ça a bien marché. En fait, c'est l'antagoniste du grand dorsal, en fait, la vérité. Le Bah mouvement oui. que fait la partie supérieure des pectoraux, c'est l'antagoniste du grand dorsal qui, lui, est le contraire. Après, ouais, Gérard, bah ouais, bah, on est tous différents hein, sur les Non, exos, on répond pas tous il y a pareil. mon ami Pierre qui est là, je vais me voir. Pierre Roulier, il y a mon ami qui est là. Il a Budapest aussi, c'est D'accord, marrant. alors je comprenais pas Il pour. a 5 minutes de chez moi là, il est sur le chat. Hey Pierre, pourquoi tu passes pas chez moi? Il y a Adèle qui part au boulot là. Je comprenais pas pourquoi son nom était entouré sur le chat chez moi, là. Chez moi Peut-être parce aussi. que c'est. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est un VIP. Pour vos programmes, utilisez-vous un nombre de séries définies par muscle sur la semaine? Je dirais oui et non, c'est en fonction de ma forme. Je prévois un nombre de séries, mais si je suis plus en forme, j'en fais plus. Si je suis moins en forme, j'en fais moins. Ouais, Toi, Louis, je ne exactement, sais hein. pas. On a notre programme de base et puis il est modulable pendant l'entraînement. C'est ça. Toi, il y a Olivier qui dit pour le développé incliné, barre, banc, 30 ou 45 degrés. Les deux sont bons, c'est à toi de voir ce qui correspond le mieux. Moi, pour moi, personnellement, 30 degrés, 45 degrés, tous les deux, c'est nickel.
Alors, ton copain, il demande que faire pour sécher quand on fait du body et qu'on a un métabolisme lent. 30 minutes de marche en fin de séance ou deux, trois. Tout est bon, hein, tout ce qui va te faire dépenser de la calorie. Hein, Bah, ça commence déjà dans l'assiette. aussi, ouais. Ah oui, c'est vrai, on n'en Pierre, parle pas depuis tout à l'heure, mais. tu bouffes trop de merde à Budapest. Comment dépasser les 100 kilos au développé couché sans se blesser quand on a les épaules larges? Ça dépend, est-ce que tu as une cage épaisse et est-ce que tu as les avant-bras longs ou courts? Il y a tout un tas de Déjà, paramètres qui vont rentrer en jeu. qui a dit que tu allais te blesser après 100 kilos quand tu as une cage large? Je n'ai pas trop pigé la question là. Ben, je sais pas. Comme si c'était une règle de base que si tu as la cage thoracique large et que tu dépasses les 100 kilos, tu vas te blesser. Moi, par exemple, dès que je passe le cap des 150 kilos en développé couché, ben, j'ai mal aux épaules. Ça ne me réussit pas. Parce que j'ai plus de 100 000 abonnés sur YouTube, putain, j'en suis loin. Hein. Je sais pas, je crois, je suis à 2000 et quelques, je crois, moi. Donc, Get de toute façon, je cherche it. pas le. Get it. Get Est-ce que vous it. vous autorisez des cheat meals? Il y a quelle fréquence? Alors, moi, oui, clairement. Je dis pas non à une pizza de temps en temps. Quelle fréquence? Je dis, ouais, une fois par semaine. Que pensez-vous des séries de rappel? Je suis d'accord, moi, ça a marché pour les pecs. Je faisais ma séance pec et 2 jours après, je refaisais une séance légère de pec et ça m'a bien été. Bonjour Adèle. Comment faire pour rattraper un retard sur le grand dorsal, demande Ben. C'est pareil, des séries longues en tirage vertical large. De toute façon, il faut faire du vertical et de l'horizontal. Hein. Faut travailler sous les deux angles. Tiens, Chris, t'es sur combien de jours d'entraînement, toi, pour le moment? Pour faire Cinq. complet? À Trois jours. complet, je fais. Ah non, c'est sur 4 jours, toi, puisque tu m'as dit hier, tu faisais dos et triceps, c'est ça? Ça a coupé. Désolé, j'ai une coupure, je ne sais pas pourquoi. Et nos images sont inversées en plus, bon, peu importe. Chris revient, ouais, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être une erreur de. Bras long et cage épaisse, il n'y a pas de raison que tu te blesses hein, dans ces cas-là, si tu fais attention à ton mouvement. Ce qu'il faut, c'est ne pas trop C'est écarter les bizarre parce que coudes moi sur le je t'entends développé sur couché. l'ordi, mais je t'entends plus sur mon téléphone. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien touché pourtant. Alors, les gens, dites-moi si vous m'entendez, parce que comme j'ai une coupure, je sais pas où ça en est. Allez, tous les deux de nouveau en ligne. Ouais, hop, mon petit chat. Tout est OK pour vous deux. OK, très bien. Alors j'espère que mon micro vous casse pas les oreilles. Ah, c'est vrai, mais tout a changé. L'image a changé. Je suis déplacé. Mon téléphone tombe. Tout va bien. C'est mon chat qui a tout foutu en l'air en fait. Je reviens. Voilà, I am back. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On t'entend 5-5, mais il y a un écho. Ah, je suis désolé, hein. Pourtant, je sais pas quoi faire d'autre. Je suis pas pro en plus du genre de choses. C'est quoi ta routine? Alors, j'ai plusieurs routines. Je peux faire du 2-1-2, c'est-à-dire je vais faire pec-épaule, je vais faire dos. Deltoïde postérieur, trapèze,
un jour de repos, ensuite je fais les bras et ensuite je finis par les cuisses. Ton micro est bien comme il est. Bon, bah c'est parfait, je touche plus. Exécution de l'exercice explosif ou contrôlé? Je dirais explosif contrôlé, c'est-à-dire je monte rapidement mais de façon progressive pour pas m'arracher un truc. Tiens, une question intéressante, Fabrice. Louis, avez-vous des difficultés à gérer vos entraînements et votre vie personnelle? Bah toi, je crois pas, parce que je crois que tu es assez libre dans tes journées. Ouais. Dans mes nuits, surtout dans mes nuits. Dans tes nuits? Oui, c'est vrai, ouais. Moi, perso, non, j'ai toujours bien géré ça. En Le plus, seul moyen de s'entraîner à 2h, 3h du matin. ah bah je pense, ouais. Moi, j'ai mon métier, j'ai une association, j'ai une boutique en ligne, j'ai une société de cosplay. Enfin voilà, j'ai plein de trucs. Plus mes enfants, bon maintenant ils sont grands, mais donc j'ai toujours réussi à me caser 2 heures dans la journée. Hein. C'est une question d'organisation. Moi, je suis pas pour les mecs qui disent ouais, mais c'est normal, je prends pas parce que je suis marié, j'ai deux gosses. Bah mec, c'est à toi de gérer ton emploi du temps, quoi. Ben, tu sais, au Skytech, chez nous, à la salle, Daniel Tote, il a deux gosses, ou trois, je crois même, mais c'est un troisième bébé, hein. Oui, tout est question de. Faut réussir à se caser. Une journée, c'est 24 heures. Hein. Tu peux bien prendre. Allez, 1h30 sur 24 heures, c'est pas infaisable. Hein. Je dis pas que c'est simple pour tout le monde, mais Et c'est c'est pas un peu en infaisable. bodybuilding, hein, pas. C'est ce que je dis toujours. Une journée, c'est 24 heures. On me dit pas que t'as pas le temps de t'entraîner, c'est pas vrai. Bah ouais. Voilà les gars, combien on est là? 73. Ah, il y a un dislike déjà. Ça doit être le mec que j'ai jarté, sûrement. Voilà les gars, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, faites péter, sinon on arrêtera bientôt. Salut Bilal. Super live, merci les gars. Ben, merci à vous de nous suivre. Sur toute ma chaîne est toute petite, donc ça fait plaisir d'avoir un petit peu de monde qui passe nous voir. Avez-vous des remarques désagréables sur votre pratique du body, famille ou collègue? Moi, collègue, ouais, beaucoup comprennent pas pourquoi je m'acharne à ce point-là à pas bouffer des croissants au boulot ou à sortir mes gamelles toutes les 3 heures. Mais je m'en bats les couilles. Je fais ce que je veux. Ça existe depuis la nuit des temps. Ce n'est pas une nouveauté. De tout temps, on a été critiqué, on a été mal vu. À l'époque, c'était la fameuse réplique « Tout dans les muscles revient dans la tête ». Et ça a toujours existé. En fait, la base de tout ça, ben, ça reste malgré tout la jalousie des gens et point barre, tu vois. Chris, c'est quand pour Dorian Picard en invite? Il m'avait proposé une fois, mais j'étais pas dispo. Après, moi, je suis ouvert à tout, hein. Je discute avec tout le monde. Hein. Les déboires de tous dans le Sphygem, moi, c'est pas mon problème. Mais c'est pas prévu dans l'immédiat pour l'instant. Non, je l'ai rejarté. Je parle d'autre chose, hein, un gars que je viens de virer. Hein. Le leg drive est-il utile au développé couché pour le body? Tu sais ce que c'est, toi, le leg drive?
Non. Tu sais ce que c'est, toi, le deck de rail? Ouais. Non, c'est une technique qui est, ou plutôt une notion qui est spécifique au powerlifting. En bodybuilding, ça D'accord. ne sert à rien. La preuve, il suffit de regarder mes développés couchés. Je les fais pieds sur le banc, même avec des gros poids, et ça monte tout seul. Ça marche même mieux au niveau des pectoraux ou au niveau de la répercussion du poids sur les pectoraux. Ah, c'est marrant, j'ai viré le mec et le dislike a viré avec. Donc c'était bien lui. C'est marrant. Il y a un décalage, ouais, bah, je suis désolé, mais ça vient de nos connexions Wi-Fi. Il y a un gars qui s'appelle Frédéric qui demande est-ce que lui se prend des produits? Alors la réponse c'est oui, mais il faut quand même préciser que les produits tu ne les prends pas en continu tous les jours comme tu bois ton café, quoi. Et quand tu me demandes si je prends des produits, ben, moi je les mets au singulier parce que moi je prends que de la testo. Et c'est le maximum c'est 500 mg par semaine. Et point barre, mais tous les trucs qui se trouvent de nos jours qu'on peut avoir, je sais pas moi, un Avare, comment s'appelle l'autre là, Boldenone, un truc comme ça et tout ça, moi je prends pas tout ça, moi je reste, j'ai jamais pris de ma vie. En fait, pour faire plus court, plus rapide sur l'histoire des produits, c'est plus rapide pour moi de dire ce que je prends que ce que j'ai pas pris parce que la grosse majorité des produits qu'on trouve à l'époque et de nos jours, je les prenais pas. Moi, du clenbutérol, je n'en ai jamais utilisé. De l'insuline, je n'en ai jamais utilisé. L'hormone de croissance, je n'en ai jamais utilisé. De la Navar, je n'en ai jamais utilisé, etc. etc. Trenbolone, j'en ai utilisé une seule fois. Et Boldenone, je crois que j'ai utilisé une seule fois aussi, mais c'est tout. Mais tout le reste, moi, je travaille que sur une base de testo et pas en continu, ce n'est pas tous les jours. Hein. Snipe, bonsoir Snipe. Bulma n'est pas là, non, elle n'est pas là, Bulma. J'ai 55 ans, moi j'ai pas 20 ans. Hein. Ouais, bon, on est en cinquantaine. Bien surpositionné pour les pecs, j'ai du mal à serrer les omoplates. Ah bah. Il faut pas prendre des bancs trop étroits déjà pour les pecs. Et ne pas trop écarter les coudes. Faut pas mettre les coudes au niveau des oreilles comme je vois des fois. Faut rentrer légèrement les coudes. Ben déjà, si le gars, je sais, ça c'est un des trucs que le figuier vous a raconté. Si déjà tu commences à développer couché en te concentrant sur tes omoplates, tu vas avoir du mal à pousser la barre. Hein. C'est un truc naturel, tu pousses, c'est comme quand tu fais des pompages. Quand tu fais des pompes, c'est exactement le même mouvement qu'un développé couché. Mais quand tu fais des pompes, tu ne commences pas à te demander si tu dois te rapprocher des omoplates, quoi. Tu le fais de façon naturelle. Chris, Bulma, c'est ta femme. Non, c'est pas ma femme, Bulma, c'est Céline Monsara qui fait également la voix de Julia Roberts, qui est une amie et qui a fait les voix pour ma chaîne, avec Eric Legrand qui fait la voix de Vegeta. Parce que mes enfants font du doublage de dessins animés pour la télé, donc j'ai rencontré tous ces gens-là via le travail de mes enfants. Cool le chat pour chauffer les cervicales. Ouais, c'est super cool pour les cervicales. Alors les gars, y a-t-il d'autres questions? Chris Vegeta ou Goku? Comment ça? Avez-vous déjà eu des soucis de digestion avec vos diètes hautes en calories? Moi non. Toi, Louis, je sais pas. Bah, tu manges beaucoup plus que moi déjà. Moi non plus. Non, moi je digère pratiquement tout. Ouais, non. J'ai juste eu un ras-le-bol des. Comment? Si, 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 les fromages blancs, ouais, je commence à plus les supporter. Ras-le-bol des. Comment? Si, si,
Alors, pour le développé couché serré, les coudes plutôt ouverts. Bah, ça dépend, tu veux. Moi, je dirais plutôt ouvert, ouais. Après, Louis, je sais pas ce que tu en penses. Ça dépend de ta morphologie aussi, si tu es un valgus, etc., etc., quoi. Bah, si ça le coup, tu vas taper sur le pectoral, un sur le triceps. Hein. Bah ouais. Ça dépend, oui, ça dépend ce qu'il veut travailler en serrant les coudes. Si c'est pour lui, c'est pour les triceps. J'aurais tendance à les rapprocher. Bah, il suffit de se poser la question. Mais il suffit de se poser la question par rapport au mouvement biomécanique des pectoraux. Les pectoraux servent à l'extérieur vers l'intérieur ou alors dans la répulsion. Or, il faut que tu aies le bras plus ou moins perpendiculaire au tronc pour que ce soit le pectoral qui soit engagé par rapport aussi au sens dans lequel vont les fibres. Au plus il va rentrer, au moins tu es sur les pectoraux. Là, tu commences une rétraction vers l'avant, tu commences déjà à taper dans le deltoïde, tu vois ce que je veux dire. Mais le fait de rentrer les coudes, tu vas rentrer les avant-bras aussi, donc tu vas répercuter sur le triceps aussi. Génial, je croyais qu'il y avait simplement ça. Ah non, non, ceux qui font les voix pour ma chaîne, c'est. Non, non, ils ont travaillé pour ma chaîne. Ce sont pas des voix que j'ai samplées, ce sont des comédiens qui ont enregistré chacun de leur côté les phrases que j'aurais demandé de faire. Que pensez-vous du travail super lourd sur les négatives? De temps en temps, j'aime bien en faire, moi, du lourd négatif. Ça va mettre très lourd sur les négatifs, ça va, tu vas avoir des problèmes pour remonter la barre. Hein. Ah non, mais tu te la fais remonter la barre. C'est quelqu'un qui t'aide à remonter. Comment trouver sa prise au développé couché? Bah, je dirais légèrement plus large que tes Ouais. épaules, à titre personnel. Guillaume Mathieu, salut Guillaume. Non, j'allais te le dire. De toute façon, je trouve les barres olympiques et les anneaux, c'est la référence. Salut les gars, vous bossez jamais les avant-bras, même s'ils travaillent déjà avec les biceps, une bobine d'Andrieu. Ah oui, la bobine d'Andrieu, la fameuse bobine dont a parlé Gundil cette semaine. Si ça m'arrive de les faire, quand il me reste un peu de temps et que j'ai la pêche, il m'arrive de faire ce qu'on appelle le mouvement du motard, mais bon, pas très régulièrement. Et puis j'ai pas un point faible avant-bras, donc il bosse déjà énormément quand je fais des tractions. Toi, Louis, je sais pas. Interaction musculaire. C'est un Voilà. muscle qui généralement vient avec le travail des bras, pas interaction musculaire. Engourdissement musculaire au bras pendant la nuit. Ben, c'est dû à soit tu tends trop ton bras, soit tu as la joue posée sur le bras et qui empêche le sang de circuler correctement et ça te donne un engourdissement, je vois que ça. Qu'est-ce qu'il appelle un engourdissement? Des fourmis dans les mains et dans le bras? Bah, je pense. Parce que moi, je l'ai pour le moment, hein, mais très fortement. Et ça peut venir d'un problème cervical. Peut-être aussi, ouais. Et ça, il faudrait que tu vois un ostéo ou un kiné. Je fais ma ouais maison, lait, pistache, cacahuète, noix. Moi, je rajouterais du flocon d'avoine, enfin de la poudre d'avoine. Mais c'est oui, ça me semble bien. Après, ça dépend quels sont tes objectifs. Que faire pour être régulier et ne pas tomber dans la facilité de l'ivresse du samedi soir?
Tu m'entends, Louis, là? Parce que j'ai Ouais. été déjarté. Ouais, ok, c'est bon. On va encore prendre trois ou quatre questions, puis après j'arrêterai parce que j'arrête pas d'être coupé. Ça va même être chiant pour vous, quoi. Je sais pas, il y a peut-être des questions pour toi, Louis. Je sais pas si tu as fait le tour. Il y a Raph qui dit, c'est là une question nutritionnelle, y a-t-il des aliments qui aident à la prise de masse? Bah ouais, les protéines, hein. La masse avant tout, Protéines, c'est la muscu, glucides. c'est Bah, de la toute façon, glycogène, donc c'est la protéine, quoi. ouais. Protéines, glucides et les bons lipides. De toute façon, c'est une chaîne, hein. Si tu retires un des trois, tu prends pas. Hein. Comment les cervicales interagissent avec les épaules et bras? Ben, parce que tu as les nerfs qui passent Voilà, dans tes c'est ça, cervicales, nerveux. Dès c'est que tu ça. pinces, c'est fini, il n'y a plus de connexion. Ouais, bah, j'ai eu un pincement discal justement il y a quelques semaines, sous la, sous, enfin, comment, derrière les omoplates, et ça m'engourdissait jusqu'au bras. Hein. Là, à l'instant où je te parle, par exemple, ben, j'ai des fourmis dans le bout des doigts ici depuis déjà quelques mois. À l'occasion, je vais aller voir faire une radiographie des cervicales. Et le soir, quand je mets ma main sous l'oreiller, il ne faut même pas 10 secondes pour qu'elles soient mais vraiment des fourmis. Mais j'ai jamais des fourmis pareilles, quoi. Tu sens des piqûres et tout dans les doigts, tu vois. Ouais, bah, il suffit que tu te sois coincé un nerf, une fois que tu te fasses décoincer par un ostéopathe, il te remettra ça C'est ce que j'aimerais en route, bien hein. faire, moi. Aller voir un ostéopathe. Ouais. Vos points forts génétiques, moi c'est le dos sans hésitation. Moi, c'est pectoraux et bras. Quoi que je fasse, j'ai des gros bras. Possible de rattraper les jambes avec seulement une grosse séance jambes. Bah, si tu t'as passé dedans assez longtemps, je dirais oui. Mais tu peux te faire un petit rappel 3-4 jours plus tard. Ce qu'il peut faire aussi, c'est intercaler ses jambes entre ses groupes musculaires. Donc, il a un groupe musculaire un jour, squat le lendemain, groupe musculaire, squat le lendemain. Et en ce qui concerne les jambes, ce jour de squat, il fait la technique du 5 par 5, 5 séries de 5 répétitions. Et en ce qui concerne le poids, il va falloir utiliser exactement 80% de ton maximum. Et quand tu auras obtenu ce chiffre, c'est le poids que tu vas utiliser. Tu feras 5 fois 5. Alors, si par exemple, lundi, tu fais pecto, le lendemain, tu fais 5 fois 5. Puis c'est le dos, 5 fois 5. Puis c'est l'épaule, 5 fois 5. Puis c'est les bras, 5 fois 5. Et tu recommences. Et tous les 2 jours, tu as ces 5 fois 5. Et en fait, en un mois, tu vas voir, ça va te faire tout drôle quand tu vas regarder tes jambes dans le miroir. Peut-on prendre des pecs avec des séries longues? Oui, ça dépend ce que tu appelles séries longues. Mais si c'est 12, 15, oui, 20, pour les écarter, je dirais oui. Pour les développer, je taperais plus dans du 8, 12. Ouais, exactement. Que pensez-vous du miel? C'est bon. C'est calorique quand même, hein? Ah oui, c'est calorique. Bah après, s'il veut rajouter, c'est facile. Enfin, si son but c'est de prendre du poids et prendre des calories, il peut en rajouter un peu sur ses tartines, quoi. Je sais pas quel est son objectif vis-à-vis de ça, mais Il y a Frédéric qui j'ai. pose une bonne question. Il dit, j'ai 54 ans et 35 années de musculation. Puis je prends de la testostérone. En fait, à cet âge-là, ben déjà, fais déjà quand même pour toi savoir au laboratoire une prise de sang pour voir où tu en es au niveau de la testostérone libre, si tu es entre les deux marqueurs. Mais sinon, c'est sûr qu'à cet âge-là, ça va t'aider, quoi. Mais il y a une différence, c'est prendre la testostérone et rentrer carrément dans le doping. Donc, par exemple, pour donner une idée en chiffres, il y a des gens aujourd'hui qui prennent 250 mg de testostérone par jour, c'est 1,75 par semaine, tu vois ce que je veux dire? Si tu es sur une dose normale, ça va t'aider. Pas enfin, une dose normale, elle ne sera pas normale pour un médecin, mais je veux dire, si tu prends par exemple 500 mg par semaine, tu vois, ben ouais, tu vas le sentir, quoi. Tu vas être moins fatigué, tu vas mieux récupérer, effectivement. Après 3-4 semaines, tu vas reprendre du volume, tu vois. Mais à ton âge, ouais, mais maintenant, si tu n'as pas de problème, tu dors bien, tu n'as pas ces espèces de fatigue, et que sur une prise de sang, on voit que ta testostérone est entre les deux marqueurs, donc tu as un bon niveau de testostérone, alors là, ça devient un choix personnel, tu as envie d'en prendre ou pas. Mais à cet âge-là, ça ne fera pas de mal. Moi, je te le dis, ça ne fera pas de mal. Ils diabolisent ça encore. C'est toujours une histoire, c'est de la dose, hein, comme disait le proverbe.
C'est pas le poisson qui tue, mais la dose. C'est de nouveau une question de dosage, quoi. Redouane, ça ne va pas empiéter. Non, ça, si tu gères bien tes temps de repos, tu gères bien ton sommeil et ta diète, il n'y a pas de raison que ça empiète. Faut pas faire ça non plus pendant 6 mois, quoi. Tiens, une question pour toi, Louis, parce que moi, 250 mg par semaine de testo est suffisant pour un trentenaire. Moi, j'en ai aucune idée. Bah, ça marche toujours. Écoute, à partir du moment où tu as une testostérone qui est à ton niveau personnel, et puis tu vas rajouter là-dessus 250 mg, c'est sûr que tu vas les sentir passer. Mais il faut voir pourquoi tu veux la prendre. Si tu as 30 ans, bah, tu peux. C'est pas un énorme doping, quoi. Hein. Le truc, c'est pas t'en prendre pendant 10 ans. Mais je veux dire, ça va, 250 mg, tu n'es pas en train d'être sur des super des doses supraphysiologiques de ouf, quoi, tu vois. Ah, c'est pas Dorty Tommy, c'est Little Tommy. Chris, tu disais que pour prendre la masse était plus basé sur les glucides. Pour prendre du poids, forcément, tu prends de la masse avec les. De toute façon, il faut de la prot, il faut des glucides, il faut des lipides. S'il manque un des trois, vous prendrez pas correctement quoi. Moi, je dirais qu'il faut, je dirais. Je dis, comment dire? Je dirais un tiers de prot pour deux tiers de glucides, à titre personnel. Moi qui suis ectomorphe, c'est ce que je fais. Oui, c'est ça, faut pas faire ça en automédication, comme dit Gérard. Hein. Faites-vous suivre. Hein. Si vous prenez des produits, faites-vous suivre, quoi. Travaillez-vous vos sternocléidos? Bah, il bosse avec le reste. Pas spécifiquement, non. Enfin, moi, en tout cas, toi, lui, je sais pas. Bah, l'interaction, ça bouge toujours, hein. Il n'y a pas de truc vraiment spécifique, quoi. Si on ne fait pas de la physiothérapie, nous, on fait de l'entraînement, hein. Vu que vous avez eu tous les deux des problèmes de dos, lumbago et hernie, vous conseillez quoi comme stratégie pour la salle par la suite? Bah, de faire attention, c'est-à-dire de ne pas prendre trop lourd sur vos soulevés de terre, de travailler toujours bien droit, bien dans l'axe, de ne pas arrondir le dos sur vos exercices. Faire attention, en fait, quand on se blesse, c'est une inattention ou de la fatigue. Mais j'ai pas Éventuellement, changé mes en. et selon le degré de problème dans le bas du dos, ben, tu commences à enlever ton entraînement, les exercices debout, l'élévation latérale, les curls, tout ce qui peut donner des tensions, et tu commences à travailler sur des machines assises qui peuvent aussi te donner de très bonnes sensations. Hein. Une hammer strength assise, crois-moi, les hammer strength avec les bisques, ce n'est pas des machines de fitness, c'est des machines de bodybuilding. Hein. Redouane, concernant les bras, avez-vous une astuce? J'ai beau les entraîner intelligemment, ça a du mal à pousser. C'est peut-être pas si intelligemment que ça, du coup. Est-ce que tu manges suffisamment? Parce qu'il faut bien manger pour avoir des gros bras aussi, hein. Mais il n'y a pas d'astuce dans le sens où je ne connais pas ta morphologie de base, tu vois. Mais pour moi, c'est génétique, sans connaître sa morphologie, pour moi, c'est génétique. Raph Barkozy demande, ça ressemble quoi une assiette pour toi? Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette à midi par exemple? Y a un gros décalage entre le son et le. Il y a un énorme décalage. Je sais pas si tu m'entends, Louis, là. Maintenant, je t'entends. Ah, ça a coupé. Donc ouais, j'ai des pertes de réseau, hein, je suis désolé. Il y a Raph qui demande à quoi ressemble ton assiette? Qu'est-ce que tu mets dans le midi midi dans ton assiette? C'est moi, ma vie, elle n'est pas papa, papa. Des fois, à midi, je suis dans mon lit, tu vois. Mais la majorité du temps, moi, je mange à peu près de tout. Mais j'essaie de garder dans ce que je mange un gros pourcentage de ce que j'appelle moi fonctionnel. Donc, des choses qui m'aident pour la salle, qui me donnent l'énergie, qui me font continuer à progresser musculairement. Mais je veux dire, je ne me refuse rien. Bon, ça ne veut pas dire que je me tape un Mars, un Twix, une pâtisserie et une tablette de chocolat par jour. Ce n'est pas ça. Mais je veux dire, j'essaie de garder quand même malgré tout les bons hydrates, les bonnes protéines, donc les viandes et tout ça, tu vois. Mais je ne peux pas dire que j'ai
une assiette type, ça change tout le temps. Comme j'ai dit aujourd'hui, hein, j'ai commencé avec un gros milkshake protéine ce matin. Jusqu'à maintenant, je suis à deux sandwichs avec. J'ai déjà pris dans les 50 grammes de protéines rien qu'avec les jambons de poulet. Et là, j'ai encore un steak qui m'attend là pour ce soir. Je sais que je n'ai pas fini. Hein. J'irai plus tard chez Tesco, puisque j'ai la chance à Budapest d'avoir le supermarché qui est ouvert 24 heures sur 24. J'irai probablement encore m'acheter du poulet ou un truc comme ça. Mais je n'ai pas d'assiette typique ou type. J'essaie juste de garder un maximum, un grand pourcentage de bouffe fonctionnelle. Mais comme j'ai montré l'autre jour sur mon espace, comment on appelle ça, l'espace communauté, j'ai une vie à côté de ça aussi. Hein. Donc l'autre jour, bah, j'ai mangé des frites belges, tu vois, parce qu'on a quand même une vie à côté aussi. Hein. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Alors, Little Tommy me demande, Chris, j'ai mis du riz dans les shakers, mais du riz sous faire quelle forme? Parce que sinon, faut l'avaler le riz. Hein. Est-ce que c'est mauvais? Bah non, c'est pas mauvais. C'est des Ben, si glucides. on a du lait de riz ici en Hongrie. Ah ouais. Gros bras, travailler les triceps. Oui, faut pas négliger tes triceps. Hein. C'est peut-être aussi un des problèmes qui fait que t'as peut-être pas des gros bras. En tout cas, pas ceux que tu veux. Voilà les gars, on est toujours 74, ça n'a pas trop bougé, c'est cool. Petit conseil pour perdre un ventre bombé, car en plus j'ai les hanches larges. Bah moi je dirais Bah, cardio, c'est quoi un cardio, ventre cardio, bombé abdos. alors? Ça veut dire Bah, il fait des gaz ou il a les hanches larges. Moi, bon, je pense qu'il a une brioche, certainement. Bah, je dirais qu'il faut que tu brûles un max de calories, quoi. Et puis ton assiette aussi. bah, avant de brûler des calories, il faut déjà qu'il arrête d'en prendre, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il fasse gaffe à son assiette. A-t-on vraiment une limite naturelle? Non, c'est juste beaucoup plus lent. Vous pensez quoi de la créatine? Alors moi, ça m'a fait prendre du poids très vite, la créatine, quand j'en ai pris au début, et j'en prends toujours. Alors je sais pas si voilà, j'en prends par habitude. Moi, Mais beaucoup d'études montrent que c'est pas mauvais, parce que ça a des répercussions positives également sur le cerveau, entre autres. Après, sur la masse, bon, c'est pas des stéroïdes, hein, vous n'allez pas devenir énorme parce que vous prenez de la créatine. Mais moi, ça m'a donné un petit coup de pouce au tout début où j'en ai pris. Je sais que Louis est. moi, ça me nique l'air, hein, mais Ah directement ouais? dans la première le quart d'heure, mal au Ah rein. bon? Mais j'essaie deux Avez-vous du fois et mal déjà, à. ça m'a fait mal au rein. Ah ouais? Bah, je sais pas. Moi, j'ai pas ce problème. Je bois beaucoup en même temps, alors peut-être que c'est dû à ça. Avez-vous du mal à ressentir un muscle travaillé type point faible? Non, moi, ce qu'il y a, c'est que des fois, tu as des périodes, j'ai souvent dit moi dans mes vidéos, des fois, tu as des périodes où ton muscle favori, ben, tu as une période comme ça où tu ne le sens pas bien. Et ça t'emmerde même de le faire. Ça peut arriver. Ah moi c'est les cuisses, hein. Putain j'aime pas ça. Ah hein. Oh, salope. Alors je l'ai fait mais c'est vraiment pas un truc que j'apprécie de faire quoi. Ben ça, c'est beaucoup de gens, c'est écrit. Le jour des jambes, tu vas à la salle, mais tu n'es pas très convaincu, tu vois. Mais là, pour le moment, par exemple, j'aime bien faire mes jambes. Moi, c'est un truc que je sens bien, ça me fatigue bien, je dors bien après et tout, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, le trois quarts de mes 38 années, ben, le jour des jambes, tu n'es pas très optimiste, quoi, tu vois. Thomas, il faut que tu réduises tes glucides drastiquement hein, si tu veux perdre ton gras. Alors attendez, parce que sur mon téléphone, j'ai d'autres appels en même temps. Ma fille qui me cherche à me joindre. Bah tiens, ma fille est à Bruxelles en ce moment. C'est vrai? Ouais, elle est au Comic-Con de Bruxelles. Alors vous entendez peut-être des bruits qui vibrent, hein, c'est mon téléphone, j'ai oublié de couper le son, je suis désolé. Alors, attendez, tac-tac. Voilà. De toute façon, je ne vais pas rester encore, on a déjà fait presque 2 heures là, ça va finir par saouler les gens. Un exercice pour perdre du gras au niveau des hanches. Bah, déjà, c'est dans l'assiette que ça se passe, et puis beaucoup de cardio. Il faut réduire tes glucides, prendre moins de glucides. Comment remédier les problèmes de points faibles? Un point faible, moi je rajouterais une séance beaucoup plus légère sur ce point faible. Tu fais des séries très longues, genre des séries de 100, pour que la relation cerveau-muscle se fasse. Et après, tu le sentiras tout seul. Je schématise, hein, mais bon, c'est pour aller un peu vite.
La presse à cuisse horizontale a-t-elle la même efficacité que la prise verticale? Moi, je dirais oui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, ça dépend de comment elle est fabriquée, de la position que tu as dessus, hein. Parce qu'il ne faut pas confondre. Si tu as une presse horizontale et qu'on la met verticale, la position reste toujours la même, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu fais par exemple de la hammer strength pour les pectoraux, ton mouvement est le même que couché, mais tu es assis, mais c'est exactement la même chose, hein. C'est juste que tu es assis, quoi. Tous les Donc, une glucides, fois, même ça les dépend du fruits. type de presse. Il faut voir la position Ouais. que tu as sur les deux presses, voir s'il y a une différence pour dire que oui, effectivement, il y a une différence entre les deux presses. Cri jaune, tous les glucides, même les fruits. Non, on garde les fruits, mais il faut réduire, parce que dans les fruits, tu as quand même les fibres, c'est très important. Mais réduis tout ce qui est pain, réduis les pâtes, réduis le riz. Réduis toutes les barres chocolatées, surtout, toutes ces merdes. Non, non, Walid, le Fire Gym, il n'est pas XL. Le Fire Gym, il est à merde, il est à, attends, je vais te dire où il est. Il est à Jette. Il est à Jette, à la place. Merde, j'ai oublié le nom. Il y a sur Internet. Écoute, Walid, va sur Facebook et tu recherches Carlos Pérez. Il va te le dire, mais je crois qu'il existe toujours le Fire Gym. À XL, c'était l'American Gym qui n'existe plus, ils l'ont fermé. Louis, fais-tu des entraînements avec tes abonnés? S'il y a des abonnés qui passent à ma salle, je peux m'entraîner avec eux sans problème. Je compte faire un séjour à un stage avec deux, trois youtubeurs. J'en reparlerai, c'est un projet que j'ai. Chris, tu t'entraînes à la salle? Oui, je m'entraîne à la salle. Et super cave. Non, dans ma salle, la super cave, j'y vais vraiment. Soit s'il fait un temps dégueulasse, j'ai pas envie de sortir. Mais j'ai pas assez de matériel. Ça m'a bien servi pour garder mes acquis pendant le confinement, mais. Là, j'ai continué de progresser sur les charges et j'ai pas assez chez moi. La TRT, c'est suppressif, Louis. Alors, aucune idée, moi. C'est pour toi, cette question. J'ai pas compris ce qu'il veut dire par la TRT qui est suppressive. Je sais pas ce que ça veut Je dire, sais ce qu'il pas. veut dire. Tiens, attends, que je vais vite faire un petit aparté sur la TRT. Parce Vas-y. que, avec les conneries que racontent celui du certain du Fit Game, il y a des gens qui ont rien compris sur la TRT et qui la voient en tant que doping. Alors, TRT, ça veut dire traitement de remplacement de testostérone. Ça veut dire quoi? Qu'on va donner une TRT à quelqu'un qui justement est en manque de testostérone et ça sert à le mettre à niveau. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est sous le coup d'une TRT, il n'est pas sur un niveau de doping comme les bodybuilders qui se prennent 2 grammes de testo par semaine. On est sur quelqu'un qui prend une dose qui va lui permettre de remettre sa testostérone entre les deux marqueurs. À l'avenir, quelqu'un qui fait une TRT, c'est pour ça qu'il est costaud, pas raconter des conneries non plus, hein, parce que vous êtes tous sur TRT. Parce que les gens qui ont un niveau de testostérone normal, eh ben, le gars qui a une TRT parce que justement le médecin a décelé chez lui un manque de testostérone, eh ben, il va le remettre en niveau avec une TRT. Donc en fait, il est dans le même niveau qu'un gars qui n'avait pas de problème. Parce que les gens, ils croient encore qu'une TRT, c'est du doping, ça n'a rien à voir. Tu vois? On remet ta dose à niveau, quoi. Ouais, simplement qu'au moment où tu fasses une prise de sang, ben, tu es entre les deux marqueurs. Que tu sois au plus haut ou au plus bas, ça revient au même. Il faut que tu sois entre les deux marqueurs. Voilà, rue Frodin Alfred Tom, Daniaud, à Jette. salut. Doit-on vraiment calculer notre nutrition? Alors, on en a parlé au début. Je dirais au début, oui. Après, non. Moi, c'est maintenant, je sais ce que j'ai à manger. Doit-on avoir un nombre de calories de 2800? Ben, ça dépend de ton poids, ça dépend de ta morphologie, ça dépend de ta taille. Ça me paraît faible, hein, 2800 calories. Hein. Mais vaut mieux tourner en plus vers 3-4 000. Ça dépend si tu es ectomorphe ou si tu as plutôt tendance à faire du gras. Ça dépend vraiment de ta morphologie. Je peux pas répondre sans te connaître, malheureusement. Déjà 2500 calories, c'est pratiquement la dose de maintenance pour un homme, quoi, tu vois. Bah oui, pour un homme qui fait pas de sport, quoi. C'est ça pour un homme, alors qu'elle fait du sport avec 2800, 300 calories de plus, je sais pas quoi, c'est comme si tu rajoutais un Mars dans ta journée, tu vois. Ouais, moi ça me paraît beaucoup, enfin ça me paraît peu, hein. Après ça dépend de tes objectifs, hein, mais voilà, Gérard dit trois manières d'utiliser les hormones, thérapie anti-âge, dopage, les trois approches sont extrêmement différentes, oui, puis je pense que les dosages aussi, certainement. Ouais, mais c'est relatif aussi, hein, parce qu'aux États-Unis, par exemple, tu as beaucoup de médecins qui prescrivent des produits pour l'anti-âge,
mais quand même, c'est quand même des prescriptions de complaisance parce que si le gars lui dit, oui, d'accord, mais vous ne pourrez pas me mettre plutôt un gramme de testo plutôt que 500, et le gars il te fait la prescription parce que c'est malgré tout des dollars, tu vois. Et voilà, quoi, tu te crois avec une TRT à un gramme de testo par semaine, quoi. Tu vas raconter ça à un médecin endocrinologue européen en lui disant, voilà, j'ai une TRT à un gramme de testo par semaine. Le mec, il va faire un infarctus, tu vois, là, je lui dis. Ok, bah moi les gars, je vais devoir couper parce que demain matin je me lève très très tôt et j'ai encore plein de choses à faire. Bah merci à tous d'être passés. On est quoi? On est 61. C'est très sympa. Merci. Si j'ai raté des messages, je m'en excuse. Si le son était dégueulasse, je m'en excuse aussi. Ça, j'y peux rien par contre. Enfin, si j'y peux peut-être avec du meilleur matos, mais bon, je pense que ça fait le job. On refera d'autres lives de toute façon dans le courant de l'année. Et merci, merci les gars, merci. Et merci Louis, hein, d'avoir accepté ce live. Chris, as-tu réussi? Ouais, alors pour les hotpecs, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, Raph, je t'invite à la retrouver dans mes vidéos. J'explique comment j'ai réussi à prendre des hotpecs. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, merci à tous, à très vite. Merci Louis. À la Tchuss. prochaine, Chris. Bye. Et ciao.